Fonkel TV 2 Twitch Live, ouais. Alors attends, j'ai tout ce hop. Putain, ça rame, je pense, mon internet là, peu quoi. Moi j'ai pas de café, moi j'ai du casse qui traîne. Il y a de la hype, il y a de la hype sur le chat là déjà. Ouais. Alors attends, hop. Host. Salut Tenebrae. Salut Tenebrae. Hop. Alors du coup, nous on va refaire le stream que des jeux Mega Drive parce qu'on connaît que ça. Et oui, malheureusement, on n'est pas. Quoique j'aurais pu, enfin peut-être Sonic Adventure 2, j'aurais pu faire un peu, mais parce que je connais, parce que j'ai beaucoup joué au jeu, mais je connais pas le speedrun et tout. Donc en fait, j'étudie un peu le speedrun. Sachant qu'ils vont le faire en deux ou trois parties parce qu'ils vont faire le dark story, le hero story. Ouais, il y a une sacrée liste de jeux. Hein. D'ailleurs, j'ai mis des commandes avec mon bot que je dois lancer. C'est magnifique. Le tago fast. C'est pas Pendulum qui remixe ça. Ah, mon Charling Boss, ta connexion, qu'est-ce qui se passe? T'as des soucis? Bon, le bot est là, il y a des commandes. Voilà. Il y a planning. Et je crois qu'il y a don aussi. Ouais. Je ne t'entends plus, mon Charling Boss. Me voilà, je suis là. Je suis. Ah, il est voilà, là. Donc ce qui s'est passé, c'est que double fail. Donc Skype a planté, comme d'habitude. Ah. Et deuxième fail à la suite. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est remis en configuration avec mon micro pro. Et, enfin, mon micro, mon entrée guitare. D'accord. Entrée d'accord. Guitare et pas mon entrée micro normal. C'est bien, on a un petit peu de lounge music, on a le thème de Casino. Ouais, la musique pour patienter. Du coup, ouais, ça commence dans 10 minutes. Ouais, ouais, donc ils ont prévu 10 petites minutes de lounge avant de commencer. Ta-ta-dam. Du coup, alors on va commencer par quoi? Par Sonic 1, ensuite Sonic 2, ensuite Sonic 3, avec une bidoire. Alors la bidoire sur Sonic 3, c'est... C'est Sonic vs Knuckles, donc en gros, est-ce qu'on le fait avec Sonic ou avec Knuckles? Et si on le fait avec Knuckles, ensuite à Sonic Spinball. Voilà. C'est... Pour Sonic Spinball, s'il tombe, je pourrais pas vous commenter ce jeu-là, j'ai dû y jouer 5 minutes dans ma vie. Bah moi, je l'ai, mais j'ai dû y jouer 5 minutes dans ma vie. Je vais le dire, et je le répéterai très certainement, c'est que après les runs de Sonic 1, 2, 3, on vous encouragera fortement à aller faire un coucou sur le stream officiel. Ouais, parce que... Qui m'est commenté en anglais. Et il y a une pléthore d'autres jeux Sonic qui vont être runnés. Ça continue jusqu'à demain, 9h du soir. C'est qui ce mec bleu? Bah, à ton avis, qui c'est? Le seul autre connard qui aime Sonic en France, c'est... C'est Limboss, forcément, je suis le seul. Ah, non, je plaisante. Comment ça, vous ne reconnaissez pas sa voix? Je ne suis pas le seul, mais je suis désolé, un connard. Je ne t'ai même pas présenté. Oui. Limboss avec moi, qui est un runner de Sonic 2 aussi sur Mega Drive. Bonjour. Et tu runs d'autres jeux aussi, genre Aladdin sur SNES. Ouais, et Mickey Mania, Mickey Mania sur Mega Drive. Sur Mega Drive. Dont j'ai le World Record, c'est un truc que j'aime bien dire.
Ouais, le Kappa, c'est facile hein, quand on est seul dans le classement. Moi Non, aussi on j'en est ai un des deux. world Non, on est records deux comme dans le ça. classement sur Mickey Mania. Ah, vous êtes deux, oui, c'est vrai, il y avait un autre, c'est un Oui, Français c'est un autre d'ailleurs qui t'a français. Il avait rejoint. fait 24-30 et moi j'ai fait 20-50. Mais D'accord. honnêtement, on est deux, mais honnêtement, mon temps, il est chaud à battre, je pense. Hein. Bah, t'as mis 4 minutes au deuxième. Ouais, j'ai mis 4 minutes. Un peu moins. Il va falloir qu'il s'entraîne pour rattraper le Ouais, mais il boss. a pas, ouais, mais il a pas envie. À la base, il faisait ça juste pour LOL parce qu'il a vu que j'avais un temps et qu'à la base, j'avais fait 29 minutes. Mais bon, Ouais. du coup, il m'avait battu, je l'ai rebattu. Enfin, on avait fait un petit peu une guéguerre comme ça pendant une semaine. Et bah, j'ai réussi en lui mettant, je sais plus, la première fois, j'ai mis 1 minute dans la vue. J'ai fait 29, 22,50, 22,50. Et après, bah, j'ai continué à augmenter pour avoir le meilleur temps possible, quoi. Ah, il n'y avait plus de musique. Je me demandais si ça avait planté chez moi ou Non, pas. Non, il y avait c'est juste plus bon. de musique. Ah. Et bonjour à toi, Félon, au passage. Bonjour à ceux qui sont de passage. Hop. Foutu la petite commande dans le bot. Il y a aussi dans ma description des. Les liens, tous ces liens sont reportés dans ma description aussi. Et là, je peux vous dire qu'on a un runner d'exception pour ces Ouais, Sonic. Mike 89. Si vous étiez impressionné, que vous avez jamais vu Mike runner, si vous étiez impressionné par mes runs, là vous allez très certainement en prendre plein les C'est yeux. ça. Si vous étiez impressionné par les runs, vous allez peut-être un peu moins en prendre plein les yeux, lol. Non, je plaisante. Vous allez vraiment prendre plein les yeux parce que c'est vraiment un autre niveau, quoi. Il a plusieurs world records, hein. Ouais. Je crois qu'il a le world record sur Sonic Sonic 1, 2. sur Sonic Enfin, 2, Sonic 2 sort off, c'est. on va dire. Ouais, sort Ouais. off, parce qu'il y a un run de son frère qui n'a pas été Il a accepté. été accepté, mais en fait, il y a eu un drama avec les Mais peut-être. émulateurs et du coup, sa run a été retirée Ah. dans la globalité parce que toutes les run émulateurs ont été retirées des classements, en fait. D'accord, il n'a pas refait de run depuis et du coup son frère est Voilà. premier, donc Si, Mike. il en avait refait Et une, Mike a mais. aussi des world records sur Sonic. Sur Sonic 3 avec Knuckles, avec Sonic, pas avec Tails, c'est HDL qui a le world record. Et il a très récemment repris le world record du run Knuckles. Ah. Ah, ça parle. Ça veut dire qu'ils ont commencé. Ah. Du coup, ouais, World Record sur Sonic 3 aussi, peut-être, Mike, non? Oui, sur Sonic 3 avec Knuckles. Avec Sonic et avec Knuckles. Je sais plus s'il a le World Record aussi sur Sonic 2 ou un temps égalité avec Werster sur Sonic 2 en mode Knuckles. Sur speedrun.com, il est Ah, premier. sur speedrun.com, il est premier sur Sonic 2? Donc voilà quoi, c'est un. A beast, comme on dit, a beast. Oh, ça parle de nous. Ça parle de nous. Oui, on fait le French On fait le restream. French restream, enfin. 102 viewers, hein, franchement, ouais, c'est vraiment cool, hein. 102 viewers pour 247 followers, putain, c'est quand même un beau ratio. Ouais, mais ils ont passé le mot. Attends, tu verras, il y aura encore plus de monde, je pense, plus tard. Bah, je vais tweeter ça d'ailleurs. J'ai tweeté ça, blablabla, twitter.com. Alors. Je sais pas, ils ont dû. Je pense qu'ils ont dû cliquer, attends. Hop, recruter. Et.
Enfin, je viens d'apprendre que je ne suis pas capable de tweeter. Parce que j'ai mis le mauvais chien, le mien, la mauvaise chaîne en fait, pour dire que je fais. Je dis, je ferai le restream et je mets la lien de la chaîne anglaise. Et. Alors. Ah. Donc, on a les premières images de la Mega Drive, du coup, chez Mike. C'est parti. C'est parti. Enfin, c'est pas encore parti, là, il est en train de warm-up. Il est en train un peu de s'échauffer. Donation totale, donc 2$. Ouais, c'est la démo qui s'échauffe, ouais. Là, pour l'instant. C'est ça. Ah, c'est la démo, merde, je pensais que c'était lui. Je me disais aussi, il est un peu lent. Pourquoi il n'est pas passé dans le mur sur cette plateforme? Vous allez voir beaucoup de ce qu'on appelle des zips, en oui. fait, où on va abuser un peu de la physique du jeu, où on va réussir à rentrer à certains endroits dans le mur. Et une fois qu'on est dans le mur, en fait, la vitesse de Sonic est complètement multipliée. Bon, alors, on expliquera ça. Je ne vais pas vous sortir les maths. On expliquera ça aussi, peut-être un peu. Bah, justement, quand ça sera l'occasion d'en voir. Ah bah ça va commencer très vite, hein. Oui, sur Sonic 1, il va y avoir Green Hill, sur Sonic 1 ça va commencer très vite, il va y avoir Green Hill et des Marble, on va avoir tout un tas de joyeuseté sur les trois levels. C'est ça. Avec justement cet abus de mécanique. Alors, ouais, du coup n'oubliez pas également, bien sûr, donner pour la charité aussi si vous avez envie. C'est pour ça aussi que ce marathon il est fait. C'est pour donner pour les œuvres charitables. Donc, si tu te plais, si je me trompe pas, c'est une œuvre de charité qui œuvre pour faire jouer aux jeux vidéo les enfants dans les hôpitaux. Faut que j'apprenne à bien parler. Pour jouer dans les hôpitaux. Ouais. Tu parles bien. Je parle bien la France, moi. Pour jouer dans les hôpitaux et donc bah, passer une meilleure convalescence, tout ça. Salut Dilando, comment vas-tu? Dites donc, c'est déjà parti, là on a déjà fini Green Hill 1. C'est vrai, ça a été assez rapide, 25 secondes. Normalement il peut faire moins, il peut faire 24 si je me trompe pas. 24, ouais. Mais il est très 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 dur à avoir, ouais. Les 24 secondes. Green Hill, un niveau qui est très traître pour moi, ouais. Quand je run ce jeu. Notamment cette partie-là ici où on a le mur et où effectivement toi tu te foires la moitié du non, temps. Bah, c'est pas forcément le mur, c'est surtout après le passage au-dessus des vides où il y a les pics. Oui, les pics, ça tu meurs aussi beaucoup. C'est un endroit très dur à faire quand on connaît pas parce qu'en fait il y a un truc qui se passe, c'est que, et le niveau est déjà fini, c'est que les pics entre les pics, là où il y a les sortes de piliers qui remontent, bah c'est pas solide, donc c'est transparent, donc on tombe dedans et on meurt. Et ça, c'est un truc qu'on voit trop souvent quand on n'est pas habitué au jeu. Également d'ailleurs aussi un autre truc dans ce jeu qui est assez important à savoir, c'est que bah, contrairement au Sonic suivant, Sonic 1, il n'y a pas le spin dash, donc pour accélérer, le jeu est. C'est pour ça que je trouve aussi le jeu un peu plus lent que les autres, c'est qu'il n'y a pas le spin dash. Il faut sauter et garder. Une fois qu'on a l'accélération, il faut la garder. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Oh, je crois que c'est le transcode qui vient de se déclencher sur leur site. Le transcode vient d'arriver, effectivement. Donc GG le transcode. Là, il a pas fait, mais il y a une strat qui est très impressionnante sur Green Hill 3 où le niveau peut être fait en 31 secondes. Ouais. Je vous invite à chercher sur Google à l'occasion. C'est une strat vraiment pas glitchée, mais complètement pétée. On rebondit sur plein d'ennemis des télés et on fait tout le niveau en étant en l'air, en fait. Un peu comme la fin de Emerald Hill 2, Emerald Hill 1 dans Sonic 2, on verra ça plus tard. On verra ça dans à peu près une demi-heure. Là, on va avoir le premier glitch. Ouais, on voilà. On va éjecter le mur sur la gauche. On va céder du mur sur la gauche. Pour se faire éjecter. Pour lancer une éjection sur la droite. Voilà. En fait, la physique de Sonic, c'est simple. C'est que dans le mur, en fait, on se fait éjecter. On se fait éjecter. Et comment ça se passe, l'éjection de Sonic, en fait? L'éjection de Sonic, c'est
en fonction de la direction où on appuie. C'est pas la fonction en fonction de la direction dans laquelle Sonic est, c'est la direction dans laquelle on appuie. C'est-à-dire que si on veut aller, si on appuie sur la gauche, il va nous éjecter vers la droite, et si on appuie sur la droite, il va nous éjecter vers la gauche. Résultat, bah on peut, il nous éjecte à une vitesse très très rapide. Pour information, c'est 4 pixels par frame. Donc 4 pixels par frame à 60 frames par seconde, c'est très très rapide, on le voit pas. Et du coup, résultat, il suffit de gérer ça et on arrive à se faire éjecter à la fin du niveau ou au début du niveau, ça dépend, très rapidement. Et du coup, quand on est au début du niveau, on a un autre truc qui arrive, c'est le warp. Et là, c'est un warp, si je me trompe pas, non? Là, ouais. C'est un level warp. Là, d'ailleurs, il en profite pour faire une pause pour expliquer ce qu'il va faire. Donc là, l'idée, en fait, c'est qu'il va se faire éjecter tout au début du niveau et il va passer avant le... Comment? Il va passer avant le début du niveau. Et quand il va passer avant le début du niveau, la console, elle ne sait pas trop ce qui se passe parce que pour la console, en fait, il n'y a pas de position X. Donc X, c'est la position par rapport au début du niveau inférieure à 0. C'est compté en tant que ce qu'on appelle un entier strictement. En fait, chaque pixel du niveau, vous imaginez, voilà, qu'ils sont numérotés, ça part de 0 jusqu'à un nombre très grand. Ouais, de 0. Voilà. Jusqu'à la fin du niveau, voilà. Et l'éjection fait qu'on arrive en dessous de 0 à moins 1 et le jeu ne comprend pas ça. Du coup, le jeu nous amène directement à la fin du level. Voilà, et là c'est pareil. Sonic, en fait, pendant que l'écran défile, là l'écran est en train de défiler, Sonic est déjà à la fin du level, c'est juste la caméra qui vient retrouver Sonic. Et d'ailleurs, il existe des hacks de Sonic, enfin des hacks, des, ce qu'on appelle des caméras hacks, qui font justement en sorte que la caméra puisse se téléporter, et du coup on voit que la caméra arrive directement à la fin. Ça c'est pour les tool assisted speedrun, ça, pour les tasses. Ouais, ou non, même pour les speedruns normaux, c'est pratique pour s'entraîner. Des, ouais. Notamment pour s'entraîner à contrôler Sonic. J'ai déjà même utilisé ça. Bah, c'est très pratique pour Sonic 3. C'est très pratique pour s'entraîner à notamment bouger, en fait, pendant que la caméra est encore pas là. Pour savoir ce qui se passe, en fait. Après, sinon aussi, là il avait fait un truc aussi, c'est que dans Marble 3, on a vu qu'en fait il a regardé vers le haut, il s'est fait toucher par l'ennemi et hop, il a traversé le sol. C'est parce qu'en fait, dans ce niveau-là, si je me trompe pas, quand ils ne sont pas à l'écran, les plateformes mouvantes n'existent pas. C'est ça, hein? Ah, c'est pas que dans ce niveau-là, c'est dans tous les Sonic. Tous les objets, quand ils sont en dehors de l'écran, ils n'existent pas. Donc si on fait se fait éjecter avec cette vitesse justement complètement incroyable. Eh bien, on arrive à des endroits où Sonic est hors de l'écran, les objets sont aussi hors de l'écran, donc on passe à travers. Voilà, donc on verra ça aussi, par exemple, dans Sonic 2, dans un des niveaux de la fin du jeu, on utilise aussi ça pour faire un... Avec un autre bug, on utilise ça pour pouvoir passer une partie. La Spring Yard, ça va très vite aussi, Spring Yard. Spring Yard, ça va très vite, mais là, c'est que du pur skill, il n'y a pas réellement de bug mis en place. Ou même pour avoir les bugs, il faut un certain doigté, on va dire. Ouais, faut du ski. Mais c'est vrai que Spring Yard, c'est quand même assez technique. Il y a beaucoup de sauts, des petits sauts, des grands sauts. Parce que, oui, un autre truc de la physique de Sonic, c'est que les sauts ne sont pas toujours, comme certains jeux, sont pas toujours les mêmes, en fait. C'est-à-dire que plus on saute, enfin, plus on reste appuyé, plus on va sauter haut. Mais, donc ça veut dire qu'on peut faire des petits sauts, et il n'y a pas réellement genre un petit saut et un grand saut, il y a vraiment plusieurs hauteurs de saut. Non, c'est vraiment en fonction du temps qu'on appuie sur le bouton. Si on veut faire des petits sauts, il faut vraiment faire des petites tapes rapides. Voilà, et du coup, ça fait que faut apprendre à maîtriser cette physique des sauts, et pour pouvoir faire les sauts qu'on souhaite et ne pas arriver trop haut ou trop bas. On va encore rentrer dans le mur là. Oui. Donc là, on va bien voir la vitesse qu'on peut prendre en étant dans un mur. À peine. Ah, si, voilà. Voilà. Hop. Alors ça, c'est un saut très précis pour retomber en bas. Il faut une position et un saut précis. Je crois que c'est... On a vraiment 2 ou 3 frames pour faire ce saut. Non mais... Pourquoi si tu le fais... Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore appris à le faire. C'est pour ça. Du coup, ici, pareil, une partie assez... faut avoir assez la confiance quand même pour le faire, parce que les plateformes sont au-dessus. Je me rappelle, quand j'étais gamin, moi, elles me paraissaient mais interminables. Au final, il y en a 4, je crois qu'il y en a 5 ou 5, c'est ça.
4 ou 5, ouais, mais j'avais l'impression qu'il y en avait 10. Parce que le problème, c'est qu'on mettait beaucoup de temps pour les sauter, parce qu'en dessous, bah, si on tombait, on mourrait. C'est Pit of Death. Voilà, Pit of Death, un truc assez, assez violent dans Pokémon à chaque fois. Un labyrinthe aussi, une zone qui fait ouais. peur à beaucoup de joueurs. Parce que c'est une zone trollée, elle me fait peur à moi. Je n'aime pas du tout cette zone. Ah, c'est parce qu'on est dans l'eau, ça. C'est pas que ça, c'est qu'en plus d'être dans l'eau, c'est vraiment troll, notamment les plateformes qui remontent pour t'amener en plein sur des pics qui te tuent. Ah oui, alors ici, en parlant de plateforme, là justement, Pop, il rentre dans l'eau et il y a une plateforme qui va faire apparaître en appuyant sur ce bouton. Donc là, c'est les... Et là, il remonte pour aller chercher cette petite plateforme qui vient d'apparaître et ça fait un énorme raccourci dans le niveau. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment pas connu. Et pourtant, ça a été imaginé par les développeurs. Hein. Mais, et en plus, les plateformes qui remontent, là, ce que je disais justement, c'était ces plateformes-là. Donc vous voyez bien qu'elles remontaient vers des pics. Et du coup, bah, quand on joue la première fois au jeu, on ne les connaît pas, ces plateformes. Et du coup, on meurt. On meurt comme ça, gratuitement. Voilà. Sans le raccourci, on arrive par ce petit passage qu'on vient de croiser. Et du coup, là, bah, on finit le jeu en 48 secondes. Le niveau en 48 secondes. Labyrinthe 2. Que dire de Labyrinthe 2? Il n'y a pas grand chose dans Labyrinthe 2 si ce n'est que le nombre de bulles aussi qu'on utilise dans Labyrinthe comparé à une partie casu, c'est ridicule. En fait, il n'y a qu'une bulle dans ces trois niveaux qu'on va prendre. Et c'est dans Labyrinthe 3. Parce que c'est peut-être le seul niveau où on a besoin de rester plus de 30 secondes sous l'eau. Parce que lorsqu'on rentre sous l'eau, le timer du jeu c'est 30 secondes. Donc à chaque fois qu'on prend une bulle ou à chaque fois qu'on sort ou rentre de l'eau, on a 30 secondes pour pouvoir finir. Et là, on va utiliser encore un zip. Donc là, hop, on prend, on utilise une plateforme pour rentrer dans le mur et on arrive tout à la fin du niveau et on fait bugger un truc à ne jamais faire quand vous finissez Labyrinthe 2, c'est de passer le niveau de fin et de baisser la caméra. Le jeu softlock. Ah, il softlock ou il crash? Ah, il softlock, ça crash, ça softlock, tu peux plus rien faire. Parce que le softlock, c'est pas un crash. Faut faire attention. C'est... Ah bah là c'est vraiment un crash, ouais. Vu comment ça se présente. Par exemple, tu vois, un soft lock c'est le quand t'es dans le dernier niveau de Sonic 2, tu vois, ça c'est un soft lock. Dans le dernier niveau. Avec le Silver Sonic, quand tu le quand ah, oui, mal. Oui, ça c'est un soft lock. Par contre, dans Sonic 2 et également les Rexon, c'est les trucs violets au Hilltop. On verra ça plus tard aussi, mais quand tu les tues alors qu'ils sont pas sortis de l'eau, là c'est un crash. Parce que le jeu plante, réellement. La bubule qu'on attend toujours très impatiemment. Parce que on est à une seconde de la mort, quoi. Donc, enfin, pas une seconde, plutôt 5, mais... Mais c'est... Elle arrive pile à la fin. Donc la course avec l'eau, normalement quand on joue en casu, on se fait rattraper par l'eau. Si on n'est pas assez rapide. Mais là, bien sûr, l'eau, on la trace. Hein. Et ici, pareil, c'est une zone très embêtante du jeu parce que il y a plein de pics et de têtes qui nous jettent des boules de feu. Et du coup, on doit remonter. Et bien sûr, l'eau nous rattrape et il n'y a pas de bulle ici. Donc, non, il n'y a pas de bulle. Mais c'est gérable, même si on se... C'est gérable, mais quand t'as 8 ans, ça l'est moins. Ah, quand t'as 8 ans, ça l'est beaucoup, moi, c'est sûr. Quand j'étais jeune et que je jouais à Sonic, je préfère Sonic 2 à Sonic 1, tout simplement, parce que ce niveau-là, je n'arrivais jamais à le passer. Cette partie-là, je n'arrivais jamais à la passer. Ah, Starlight. Starlight aussi, il y a du level warp et du zip. Oui. Voilà, ici. Voilà, donc là, un zip, encore une fois. Généralement, il s'est loupé parce qu'il n'a pas réussi à obtenir une vitesse suffisamment grande et du coup il est revenu au début du niveau. Ouais. Donc là, il a décidé de le zapper. Tu peux te faire le niveau, non? Ce niveau va tellement vite sans le zip que si tu rates le zip, ne serait-ce qu'une fois, une ou deux fois, autant partir et faire le niveau normalement. Ouais, parce qu'on va voir que il le finit. Normalement, tu le finis en moins de 30 secondes, celui-là. Donc, Oui, oui. Je crois que c'est 18 secondes normalement. Voilà, donc 37 secondes, il l'a fini. Moi j'adore Starlight. Je crois que ce sera les derniers zips que j'apprendrai. J'apprendrai peut-être même plus
Les zips de Scrap Brain plutôt que Starlight, ce niveau est tellement cool. Bah, Starlight, il est relaxant après labyrinthe, enfin, en fait. C'est surtout ça qui a un capital sympathie. Alors là, pareil, le zip, c'est quelque chose complètement pété. Parce que du coup, bah, pour faire ça, il saute en fait à un angle précis pour arriver. Il saute à un angle précis pour arriver juste en haut de la slope et arriver à traverser. C'est faut avoir beaucoup. On remarque que le jeu ne comprend pas la vitesse à laquelle Sony va. On voit des parties de décor qui s'affichent. Voilà. Il y a rien normal. Voilà, en fait, c'est pop. Salut Casu. On restream jusqu'à quelle heure? Jusqu'à en fait la fin de Sonic Mega Drive, du coup. Jusqu'à 17h voilà. Environ, c'est un bloc de 2h sur les versions voilà. Mega Drive. Après, il passe sur les versions Mega CD et sur les versions Master System avec, où je Game Gear. Après, c'est Flying Fox qui va runner Sonic CD, mais avec Tails, c'est la version 2011 de Sonic CD. Sonic CD, version 2011. Qui inclut Tails alors que de base, il n'y a pas. Ah oui, parce que, fait intéressant, Sonic CD est sorti avant Sonic 2. Enfin, a été développé avant Sonic 2. Il est sorti après, mais il a été développé avant. Alors là, pareil, là, on a vu quand même qu'il a commencé à sauter un peu dans la zone à zip, hein, sur la petite demi-commande. Ouais, ouais. Mais le but, c'était pas de zipper ici. Ouais, le but, c'est pas de zipper ici, donc il exploite pas ça. Non. Ah. Donc là, le boss. Ah là, il y a un petit truc très sympa avec ce boss aussi. On va sûrement le voir. Je pense qu'il va le tenter. Voilà, sur la troisième plateforme, il arrive à sauter sur la plateforme et à utiliser la hauteur de la plateforme sans la baisser. Alors, bien sûr, elle s'abaisse. Mais Sonic va sauter comme si la plateforme ne bougeait pas et restait en haut. Voilà, donc il l'a utilisé. Et ça lui permet de faire des sauts beaucoup plus haut. Et c'est assez tricky hein, pour faire ça. En général, on spam ABC avant d'arriver sur la plateforme. Pareil, ça, le ABC, on verra ça. Pour l'instant, on n'en parle pas, mais on verra ça à Sonic 2. Il y a pas mal d'endroits finalement aussi dans Sonic 1 où tu peux utiliser ce spam de ABC. Parce que quand on joue à Sonic ou qu'on découvre ce jeu, on se dit, bon, voilà, il y a trois boutons, ils font tous la même chose, je vais en utiliser qu'un. Mais quand on speedrun le jeu, il y a certains endroits où on cherche à avoir des sauts assez précis, genre on est déjà en l'air et puis on va atterrir sur un truc, on sait qu'on va avoir besoin de ressauter directement, donc là en général on spam ABC. Ou l'exemple aussi très classique dans Labyrinthe où on passe dans le... où on est entraîné par l'eau et où on s'accroche par des barres. On spam ABC pour lâcher, pour lâcher les barres le plus vite possible. Spam ABC. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une manette de Mega Drive, une manette de Mega Drive, ça avait trois boutons qui s'appelaient ABC qui étaient disposés en ligne. C'est pour ça qu'on dit spam ABC. Donc faudrait. Si vous savez pas ce que c'est une manette Mega Drive, cherchez sur Google, il y a plein de photos. La manette en forme de croissant, la fameuse manette en forme de croissant. Et pour info, d'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de manette et tout ça, là, on le voit, la qualité de l'image, de toute façon, là, il ne run pas sur émulateur, hein, il run bien sur une vraie Mega Drive, enfin une vraie Genesis, vu que c'est une... Ouais, là, il va rentrer dans le sol. Voilà. Encore un zip. Il a appuyé à gauche pour aller vers la droite et on est retombé. Et là, c'est un zip pour traverser un mur et non pas aller jusqu'au bout du niveau, ça, c'est plutôt... On appelle ça un warp quand on va au bout du niveau avec. Enfin, généralement, c'est un zip qui entraîne un warp, mais là, c'était juste un zip pour traverser une plateforme parce qu'on a remarqué que le niveau revenait en arrière et verticalement et descendait. Du coup, en descendant, on zappe des parties du niveau vu qu'on arrive directement à une section suivante. Ça permet de skipper un passage qui est très dangereux. Voilà. Alors là, je sais pas, il a peut-être essayé, mais on peut skipper cette cutscene. Alors moi, j'ai une technique qui marche quand elle a envie de fonctionner, c'est-à-dire dès que le Scrap Brain 2 est fini et que la cutscene s'enchaîne, je garde droite appuyé et je fais ABC pour sauter. Et ça peut skipper la scène. Là, pareil, il va faire un warp. Là, on voit hop le niveau qui a disparu et là hop, il remonte. Donc c'est ce qu'on appelle le slope glitch. Ça, le slope glitch, en fait, c'est un glitch. Salut Clayel. Le slope glitch, en fait, le but, le truc, ce qui se passe, c'est que Sonic, quand on l'a activé, ce slope glitch, donc il y a plusieurs manières de l'activer, Sonic oublie
le fait qu'il est sur une comment une pente et du coup je ne comprends plus la position de Sonic et du coup on peut marcher En fait il compte dans le vide garder, en suivant des pentes. Il va garder en fait l'angle de la pente de Sonic. Il va pas plus tomber, il va garder l'angle, donc quand c'est un terrain plat, bah il va pas tomber, il va rester en plat, il va marcher dans le vide. Et là, dans ce cas-là... Et ça, pour le slow glitch, on pourra peut-être y revenir à un moment de Sonic 2 et surtout Sonic 3 où c'est beaucoup plus présent. Bah, on y reviendra, ouais. Parce que là on est à la Final Zone et on a découvert il y a très peu de temps que la Final Zone, on peut manipuler le pattern du boss. C'est une technique très très simple, même en casu, on peut s'entraîner deux fois et on sait le faire direct. Il suffit juste de taper Robotnik d'une certaine manière, d'arriver dans la salle de boss d'une certaine manière. Genre il faut pas sauter au début pour aller plus vite. Et après on sait dans quel piston il arrive. C'est tellement simple que même Shonkal arrive à le faire, donc... Non ça va. Non, il n'y a pas eu la décapitation, dommage. Donc c'est un bug, la décapitation, en fait on peut faire bugger le sprite de Robotnik pour qu'il perde la tête. De Robotnik, pour qu'il perde la tête, tout simplement, donc on appelle ça la décapitation nouveau. Alors quand je le dis, je fais décapitation. Et je pense surtout au jeu Brutal Legend où à un moment le héros fait ça. Voilà, le jeu Brutal Legend, donc si vous y avez déjà joué, normalement, lorsqu'il c'est au tout début du jeu, en fait, il tranche la tête de quelqu'un, il fait décapitation. Bah 18 et 5, c'est vraiment bien. C'était un très bon temps, c'était un très bon run. Hein, qui t'as combien toi, rappelle-moi, en PB en in-game time? Ouais, j'avais fait 23 minutes, 24 minutes, mais sans les zip aussi. C'est pas vraiment comparable. Donc le prochain run, ça va être plus moi qui vais parler que Chantal cette fois-ci peut-être. Parce que c'est le... Sonic 2, moi, c'est de moins en moins mon pote. Voilà, donc Sonic 2, Shonkal entraîne une haine envers ce jeu, c'est affreux. Alors que moi, j'adore ce jeu, même si au bout de le runner pendant 3 heures, j'en ai marre aussi. Bah, en fait, c'est la physique de Sonic 2. Je suis beaucoup sur Sonic 3 en ce moment, et la physique de Sonic 3 avec Knuckles, mais elle est juste parfaite, quoi, comparée aux deux. Bah, moi, bizarrement, c'est l'inverse. Je préfère la physique de Sonic 2 à celle de Sonic 3. Donc... avec l'Insta Shield de Sonic 3. Ouais, l'Insta Shield. Oh, moi je préfère le non shield de Sonic 2. Donc petit setup time malgré le fait que ce soit le même runner et la même console. C'est la petite pause. On va en profiter pour vous balancer des liens. Alors évidemment, moi je restream ce marathon qui est caritatif, donc si ça vous branche d'aider une association qui s'organise d'aller voir les enfants dans les hôpitaux pour les faire jouer aux jeux vidéo. Et ruiner leur vie, lol, non. C'était une blague. Mais c'est pas grave, un geek a toujours plusieurs vies, voire même des continents. Ah, donc voilà, donc là, c'est encore une fois l'ordinateur qui est en train de train Sonic. La démo qui est en train de train. Donc pour info, je sais pas si tu en quelle qualité tu le regardes, mais je sais pas si tu le regardes en qualité high ou source. Je suis en source. D'accord, parce que moi je suis en low, et en low c'est inregardable. Donc je vais me foutre en médium parce que voilà, mais... Ah non, je suis en source, putain, non, j'ai rien dit, c'est juste le jeu qui est inregardable, ok. Faut faire attention quand on stream du Sonic. Si vous streamez du Sonic, faites attention, streamez-le pas en trop basse qualité. Ouais, ou éviter les overlays hyper chargés avec plein d'images, contentez-vous juste de mettre l'image du jeu. C'est envers moi que tu dis ça ou pas? Donc voilà, donc Sonic 2... Non, c'est de manière générale, j'ai vu plein de streams comme ça, des gens qui ont des petites connexions et qui font des très jolis overlays, mais dès qu'il y a un peu d'action, c'est bouilli de pixels. Ouais, moi je vais voir pour changer ça aussi, bref. Donc voilà, donc Sonic 2, nouveau truc dans Sonic 2 qui est apporté, c'est... le spin dash. Donc le spin dash, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est Sonic qui va tourner sur lui-même, entre guillemets, et qui va en fait partir à grande vitesse, et donc du coup ça va accélérer grandement les niveaux, parce qu'on va avoir la possibilité de gagner beaucoup de vitesse rapidement. Et du coup 21 secondes pour le premier niveau, c'est un très bon temps. Enfin, pour moi, c'est ce que je considère pour moi un très bon temps. Après, on peut faire 20 secondes, c'est quand même un peu mieux. Et du coup aussi, une autre technique qui vient avec ça, avec le spin dash, c'est ce qu'on appelle le six tap, donc qui n'a pas dans Sonic 1. C'est un dérivé du mashing de ABC, en fait. C'est que
Bah, comme en fait on doit appuyer sur le bouton saut tout en étant baissé pour faire un spin dash, et plus on appuie, plus on va aller vite donc, quand on va lâcher le spin dash. Bah, l'idée c'est d'alterner ABC plusieurs fois, donc deux fois, donc c'est pour ça que 6, hein, donc on fait ABC, ABC, et on part en spin dash à la vitesse maximale, maximale ou proche de la vitesse maximale. Donc là il se fait toucher par le boss, la technique de... Oula, il a mal fait là par contre. La technique de roulage du boss est assez... La technique pour rouler avec le boss, une fois qu'on a chopé le timing, il y a un indice visuel qui est assez simple à trouver pour l'avoir. Une fois qu'on a chopé le timing, elle est très simple à faire. Et après, normalement, on le fait en deux... En un aller-retour, en fait, on tue le boss. Voilà. Donc 40 secondes, très bon temps. Très bon temps, malgré le fait qu'il soit un peu craqué sur la fin. Donc Kimmy Kale plante. Donc là, on va avoir le premier skip du jeu. Donc... une fois, donc là on va zapper, on va utiliser les spin dash à fond pour pouvoir accélérer. On va voir le premier skip du jeu, donc là ça va être une utilisation de la physique du jeu pour faire un truc que les développeurs ne pensaient pas, c'est aller sur une autre partie du jeu. Donc on va voir, allez hop, là, hop, voilà. Donc il a utilisé une fan looping pour sauter et arriver sur une autre route du jeu qui était directement à la fin du niveau. Alors que normalement il aurait fallu retourner en arrière et ça aurait pris 10 secondes de plus. Et là, on finit le jeu, on a un super temps de 23 secondes. De rien, Cliel, de rien. Ah, merci, ça fait plaisir. Et donc là, pareil, au deuxième niveau, on va utiliser Tails. Donc là, c'est une grande première, c'est vu qu'il y a Tails qui est arrivé dans le deuxième jeu, on va utiliser Tails, en fait, pour nous faire passer une autre partie du jeu. Donc là, on a Mind des Tails, en fait, on l'a utilisé pour qu'il se place, en fait, là, donc on vient de le voir, il a ouvert une porte, en fait, en se plaçant derrière. Enfin, ce qui pourrait s'apparenter à derrière. On manipule voilà. Juste l'ouverture de la porte grâce à Tails. Voilà. Et la porte, on peut pas l'ouvrir seul. Enfin, il y a une petite technique, mais qui est un poil moins rapide. Voilà, pour le faire aussi, on a plusieurs techniques pour le faire, mais celle-ci, c'est la plus rapide. Et pareil, c'est juste un timing à récupérer. Donc là, on tue Tails le plus vite possible. Avant aussi, on a utilisé le fait que là, vous voyez sur le côté, il y a des plateformes qui tournent. On a utilisé le fait qu'il y ait ces plateformes qui tournent là et qui permettent en fait de traverser une partie du niveau en faisant un énorme saut. On l'a vu tout à l'heure. Et ce saut-là, pareil, c'est un timing assez sympa à avoir. Moi, j'arrive pas à l'avoir tout le temps. Je saute un peu trop tôt. Mais une fois qu'on l'a, on zappe quand même une bonne partie du niveau et on arrive à le finir. Bah là, en 40 secondes. Pour l'instant, mon personnel best est 44 pour faire. Donc là. Pareil, là, ici, pas de glitch majeur, ici, hein. on va utiliser que des spin dash pour finir le niveau très rapidement. Et ce qu'on va juste faire, c'est utiliser une des propriétés du jeu qui fait qu'en fait, tous les murs ne sont pas des murs partout. En fait, il y a des murs qui sont que des murs lorsqu'on va arriver de dessus, mais lorsqu'on va arriver de dessous, ne sont pas des murs. Et là, ça nous permet, hop, on a vu, de traverser en fait un sol pour remonter et arriver sur une autre route qui est plus simple à faire que la route habituelle. Parce que la route habituelle, il y a un trou et ça passe par l'eau, enfin c'est embêtant quoi. Et donc là aussi, pareil, on voit un énorme décompte, c'est pour ça que quand on fait des vrais runs du jeu, enfin pas en marathon quoi, quand on fait des runs complètes, on ne fait pas en RTA, on ne calcule pas le temps en RTA, on le fait en in-game time. Du coup comme ça on ne compte pas ce décompte de points qui est vraiment long. Donc là pareil, là ce niveau là il est très simple aussi, il est très simple. Il y a juste ce saut là qui est tricky, qui est presque frame perfect à faire. C'est faut avoir un très bon timing pour le faire. Même moi et Shonkal, on le rate très souvent. Oui. Moi, c'était lundi ou mardi que j'ai streamé. J'ai réussi deux fois de suite. C'était un peu la fête. Et donc là, pareil, là on monte sur les piliers. Donc je faisais ça depuis que je suis tout petit. Moi, je fais ça parce que je pensais que c'était la façon de faire. Et du coup en fait en spin dashant on arrive à toucher le boss, à revenir sur le pilier, donc faut prendre le pilier de gauche et pas celui de droite, parce que celui de droite en fait il y a un léger bug, c'est que si on spin dash on se retrouve tout à droite, et quand on est tout à droite ben, on peut pas spin dash, donc on doit avancer à chaque fois, ça nous fait perdre un peu de temps, donc on préfère se mettre à gauche. Ouais, le pilier de droite voilà. il y a un petit truc avec, hein, voilà, il y a un petit clip, hein. Celui de gauche. Voilà. Et là peut-être un des niveaux très intéressants, Casino Night du jeu, parce que bah c'est très 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 tricky, ce niveau là est très tricky parce que ce niveau là est pas conçu pour nous faire perdre des vies dans le jeu, mais perdre beaucoup de temps parce qu'il y a plein de trucs qui nous font rebondir partout et faut arriver à jongler avec cette physique là de Sonic pour arriver justement à faire le temps le plus rapide possible avec tous les trucs qui nous font rebondir. Donc on voit quand même qu'il y a beaucoup de trucs qui font rebondir. Là il a tué un des seuls ennemis du niveau. Et si vous avez... Oh, tu as du buffer, Casu. Je pense, entre parenthèses, là, on n'a
pas de zip particulier, je crois que c'est le top le prochain zip Ouais. là. Alors pour le buffer, je pense qu'on peut peut-être montrer à Twitch qu'on a des soucis à regarder certains streams. Des fois, il y a sur le petit lecteur les options là. Et report playback issue. N'hésitez pas hein, sur mon stream à faire des report playback issue hein, si vous n'arrivez pas. Et vous mettez. Peut-être que Twitch viendra jeter un œil et mettez audio. Faire quelque Voilà. chose, je ne Vous sais mettez pas. audio and video stutter, c'est ça le problème. Donc là, utilisation aussi massive des speed shoes. Donc je crois que ça n'existait pas ça dans Sonic 1, les speed shoes. Si, si, ça existait. Ok. Alors du. Ouais, il faut qu'on en utilise peut-être une ou deux, ouais. je crois. Pas beaucoup, dans Sonic en 2, fait. c'est plus. Deux, dans ouais. Sonic 2, c'est un petit peu plus utilisé. Mais donc dans ce niveau-là, on va utiliser. Il y a deux speed shoes qu'on prend à la suite et du coup, on arrive à avoir une vitesse de malade pendant tout le niveau juste parce que bah c'est le jeu. Parce que les speed shoes nous font aller quand même beaucoup plus vite que. La vitesse normale. Et du coup là le boss, il y a une petite technique pour l'avoir normalement. C'est normalement hop voilà. Ah non, là il rebondit sur le boss carrément. Ça c'est une technique assez chaude à faire quand même. Faut avoir la bonne vitesse pour pouvoir justement en fait rebondir dessus quand il arrête de clignoter parce qu'il a un certain moment d'invulnérabilité quand on le touche. Mais du coup, en fait, il y a une autre technique qui est plus simple. En fait, c'est de rebondir sur le comment le il y avait un petit bloc bleu qui nous fait rebondir au milieu. Et en fait, il suffisait de rebondir dessus. Et comme ça, on arrivait à obtenir directement la bonne hauteur pour lui rebondir dessus derrière. Donc là, bah, hop. Ah mais on arrive. Ouais, à là top. On arrive à Hilltop. On va voir le premier zip du jeu. Le premier zip du jeu qui arrive assez tard, mine de rien, pour Sonic 2. On doit attendre le cinquième niveau pour avoir le premier zip. Donc là, hop, il va tomber dans la lave, se faire toucher, et voilà. Et en fait, il traverse le mur et il se fait éjecter. Par la plateforme. Il s'est poussé dans le mur par la plateforme et il se fait éjecter. D'ailleurs, beaucoup de zips, je crois, si je ne me trompe pas, que tous les zips dans... Non, il y a un zip de moins peut-être dans Sonic 2 qui utilise le concept de la plateforme. Tout sauf un zip, je crois, qui utilise la plateforme. En se faisant pousser par un ouais. objet, je crois que c'est que celui-là. Non, il y a Metropolis 2. Oui, c'est possible. Métro 2. Ah oui, autant pour moi. Oui. Vous verrez ça tout à l'heure. Vous verrez, il y a plusieurs manières de... Ils ont voulu tenter des physiques un peu plus innovantes que Sonic 1 sur Sonic 2, mine de rien. Et du coup, il y a plusieurs trucs qui font qu'on peut zipper. Vous verrez. Du coup, là, on prend un chemin séparé en utilisant un spin dash. Les spin dash permettent de nous faire sauter très très haut et d'aller à des endroits où les développeurs ne pensaient pas qu'on irait. Et du coup, ça nous permet de faire des changements de route très peu possibles à la base, mais quand même qui sont... Ah, il a loupé le saut. Il a loupé son saut. Donc là, ce saut-là est assez embêtant. Moi aussi, je me retrouve à tomber comme ça des fois. Et du coup, en fait... on peut se retrouver à traverser des plateformes parce que les délimitations des plateformes sont pas très, sont pas très gentilles avec nous. Et du coup, on se retrouve à repartir en arrière et des fois, c'est très embêtant. Donc là, vous avez vu... À faire très attention ouais. avec l'ennemi rose. Voilà, vous avez là, vu l'ennemi rose. Là. On vous conseille pas de le tuer dans vos parties casu, sinon le jeu s'arrête. Alors moi, je le tue, mais en fait, c'est faux. T'attends qu'il soit bien, bien déployé. En voilà, fait. Faut attendre qu'il soit bien déployé. Si on le tue avant que son coup soit complètement sorti, le jeu peut crasher. Voilà. Parce que si on le tue avant, le jeu mais il crash complètement, c'est-à-dire la musique continue si je me trompe pas, mais l'écran freeze, tout freeze et bah là c'est reset. Donc là pour l'instant ça va, en reset au cinquième niveau c'est pas la mort, mais il y en a un autre. Vers la fin, quand on le fait. Metropolis 3. Ouais, il n'y a pas que celui-là. Il y a aussi, je pensais, enfin, c'est plus un soft lock, mais il y avait aussi Death Egg. Ah oui, le boss dans Death Egg. Ouais. Bah, si vous m'avez regardé streamer jeudi, je l'ai eu. ça m'avait un peu embêté. Donc là, pareil, là ici, c'est que de la vitesse et de l'optimisation de physique. Et là, on va avoir, en fait, il va prendre une autre route, pareil, en passant sur un endroit que les développeurs ne pensaient pas. Vous allez voir, c'est là. Hop, on saute et on passe par-dessus un pont qui devrait être abaissé par derrière. Mais on passe dessus parce que voilà. En fait, tu peux tous les passer. Ouais, on peut tous les passer, mais il n'y a que celui-là qui nous fait vraiment gagner de la vitesse en le passant, quoi. Mm-hmm.
Du coup, le petit saut à faire, il est pas si simple que ça le saut à faire, hein, parce que faut arriver à sauter sur les pics et ça, faut avoir un bon timing pour le faire. Mais c'est pas impossible et ça fait pas partie des glitches les plus compliqués, enfin des skips les plus compliqués de ce jeu. Le plus compliqué restant sans aucun doute Metropolis 3. Donc vous verrez, on en parle. Un autre truc aussi assez compliqué, c'est que il y a toujours parfois, enfin dans les runs Sonic, et bon après je pense que ça s'applique à beaucoup d'autres jeux hein, en speedrun, c'est que il y a toujours des espèces de mini setup, des sauts à faire d'une certaine manière qui vont permettre d'aller à un autre endroit après. Voilà, en fait, c'est... Si on rate ces petits setup pour aller à d'autres endroits comme ça, justement, on peut perdre beaucoup de temps. Parce que faut pas. En fait, un glitch se fait pas un glitch ou un. Par exemple, le saut sur les pics avant de passer sur la plateforme sans avoir à l'ouvrir, ça c'est. Si on rate le saut sur les pics, on passe pas sur la plateforme dessus. Et dans Sonic, il y a beaucoup de choses comme ça. Et les setups, contrairement aux autres jeux où justement les setups, généralement on va s'arrêter et prendre le temps, Sonic, vu que c'est tellement rapide comme jeu, on peut pas s'arrêter, donc on doit apprendre à faire les setups de manière très fluide. Donc là, par exemple, ici, il y a des petits setups à faire aussi sur ce niveau, parce que vous allez voir, ce niveau-là, c'est aussi un très bon exemple de ce que je viens de vous expliquer, parce qu'on passe dans le pétrole. Ouais, et on doit avoir des setups de mise en place pour justement s'arrêter au bon endroit, arriver avec la bonne hauteur au bon endroit, et pour pouvoir le passer de la manière la plus fluide possible, parce que normalement, on ne fait pas le niveau comme ça, normalement, on le fait normalement, mais là, on a... Il y va assez safe, là, mais ça reste tout de même très très rapide. Voilà. Donc, si vous jouez la version d'ailleurs... Moi, je meurs en boucle ici. Oui, moi, j'arrive à ne pas mourir, mais... Quoique, mon PB, je meurs. Mon PB, je suis mort ici. Au passage, merci pour ton host, KSM. Merci pour ton host, KSM. Et du coup, aussi, il y a un truc aussi, si vous jouez la version 2013 de ce jeu, vous verrez qu'en fait, on ne peut plus speed dash en dessous des trucs, mais on peut tout simplement passer en dessous en marchant, et ça marche. Et du coup, là, ça demande encore plus de setup parce que justement, on doit setuper pour pouvoir arriver à la bonne hauteur lorsqu'on marche. Et là, on va lancer un glitch. Normalement, il est censé prendre les boules là, qui nous amènent à un autre endroit du niveau, mais là, on a lancé un glitch en fait qui nous permet d'aller à la vitesse et de sauter comme Super Sonic. Et ça nous permet de rentrer dans le mur ici et de faire un warp, comme dans Sonic 1. Donc, c'est le premier warp du jeu. Et du coup, comme on a changé notre vitesse, le jeu comprend pas pourquoi sur ce truc-là, on n'est pas. Enfin, on n'est pas à cette vitesse-là et du coup, nous fait rentrer dans le mur. Et comme on rentre dans le mur, on peut se faire éjecter à vitesse absolue et arriver à la fin du niveau. Et là aussi, au niveau du boss, il a fait quand même un truc assez intéressant. Le boss en un cycle. Aussi softlock, le jeu. C'est un truc qu'il faut faire très attention. Ça peut faire softlocker le jeu et c'est très très chiant à faire. C'est un truc qui est très très embêtant à faire parce que faut avoir un timing de ouf. Et aussi, il y a cette ce pétrole qui peut nous tuer aussi si on n'a pas le bon timing parce qu'on arrive très près de la zone où on se fait tuer. Donc là, Metropolis 1, donc on va arriver à... Moi, c'est Troll Police, parce que c'est vraiment une zone très embêtante si on ne connaît pas les glitches. Le niveau 1, c'est le seul qu'on va faire presque en entier parce qu'il n'y a pas de glitch majeur qui nous permette de finir le niveau d'un coup. Mais les deux autres se font en warpant. Donc ici... C'est juste... Là, il a attendu Tails pour que justement Tails puisse aider à monter. Voilà, parce que avantage quand on joue à Sonic et Tails, en fait, c'est que Sonic et Tails permet d'aller plus vite en montant les écrous. Et là, hop, on a un bug. Qu'est-ce qui se passe en fait là? C'est que dans ce jeu, dans ce niveau, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de haut en fait. Dans ce niveau, lorsqu'on arrive en bas du niveau, on boucle en haut. Et du coup, la position de Sonic en hauteur n'est plus définie par la hauteur par rapport au niveau, vu qu'il n'y a plus de haut et de bas, c'est défini par la hauteur de Sonic, par la position de la caméra. Et y a un truc qu'on peut faire, c'est que si on fait sauter Sonic au-dessus de la caméra, la caméra va boucler le niveau. Et du coup, quand on boucle le niveau, les éléments sont plus à l'écran. Et du coup, là, il a oublié son truc, mais ça va nous permettre de prendre du temps pour expliquer. Et quand on arrive, en fait, quand on boucle, on n'est plus à l'écran, et quand on n'est plus à l'écran, les objets n'existent plus, et donc on peut traverser des objets. Donc là, on a utilisé, encore une fois, une plateforme pour rentrer dans le mur. Le mur, il n'est pas complètement rempli, mais on peut donc aller à certains endroits, et en allant à certains endroits, on déclenche un zip, et on fait warper le niveau, et on passe tout le niveau en 24 secondes, c'est lent, parce qu'il a dû s'y reprendre, normalement on met 17.
Et également, on peut faire aussi bugger le panneau de fin de niveau, mais il a décidé de pas faire bugger pour montrer le glitch de Tails à la base qui a un, comment, qui a un sprite bugué. Voilà. Et donc là, Metropolis 3, le Metropolis 3. Voilà. La joyeuseté de ce run. Donc là, le glitch est très simple. Il suffit de rentrer dans le mur avec la plateforme. Et vous allez voir, la plateforme est assez rapide. Donc on y va, on pose buffer. Voilà, hop. Il a réussi à le faire du premier coup, c'est très très fort. C'est très très fort, donc. Ouais, c'est énorme. Et en gros, le but en fait, c'est que la plateforme, elle va descendre très rapidement. Et le but, c'est d'appuyer sur droite quand la plateforme est au niveau de nos chaussures à peu près, ou de nos jambes. Comme ça, on se fait expulser par la droite. Et une fois qu'on est expulsé par la droite, il faut très rapidement relâcher le bouton droite pour garder notre vitesse et faire et warper. Sauf que pour relâcher notre vitesse, on a 4 frames. Et pour warper, on a une frame. Enfin, pour commencer à partir vers la gauche, on a une frame. C'est un glitch qui est très 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 dur à faire. C'est le run killer de ce jeu. Et une fois qu'on... Ce boss à coup voilà. De damage boost. Donc là, pareil, là, c'est des damage boost. En fait, on se fait toucher, on devient invulnérable. Et comme on devient invulnérable, bah, le boss, on le touche deux fois. Une fois directement au sol et une fois pendant qu'il remonte. Comme ça, au lieu de le tuer boule par boule, on le tue de boule par deux boules. Donc là, bah, le meilleur niveau du jeu, bien entendu. Hein. Donc énormément de tricks de vitesse ici hein, pour le finir le plus vite possible. Je pense qu'il va mettre 2 minutes 05 pour faire ce 2 minutes 05 ou 2 minutes 06 06 06. Ouais, voilà, 06. Ouais, mais il personne qui met 05, c'est pour ça. Voilà. Knuckles aussi, il met 05. Du coup, ouais, donc gros trick sur un set auto-scroller, donc je rappelle pour tous les speedruns. Pour tous les speedruns, en général, les auto-scrollers, c'est la mort parce que bah, on peut pas aller plus vite que le niveau, donc on se retrouve à devoir attendre tout le niveau, ce qui est très chiant. Là, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il fait un combo en tuant les ennemis. En fait, si on ne saute pas de l'avion, on fait des combos en tuant les ennemis. Vous regardez le nombre de points sur les ennemis. Là, il a pris un dégât, ça fait à zéro. À zéro, mais les points augmentent quand il tue un ennemi. Et les points maximum, c'est 10 000. On peut gagner un sacré paquet de vie ici. C'est 10 000 et au-dessus de. Et après, en fait, il va gagner 10 000, il ne va pas gagner de vie, il va gagner 10 000 à chaque ennemi. Sauf qu'une fois que tu gagnes 50 000 points, donc 5 ennemis, ben, tu gagnes une vie. Donc ça va très très vite à gagner les vies à la fin. Et coucou Jérôme au passage. Coucou Jérôme. Donc là aussi un truc intéressant à savoir, enfin c'est juste pour le fun, on sait que le vaisseau de Robotnik qui passe en arrière-plan monte à la même vitesse que Sonic, donc en montant en fait notre avion on est capable de faire croire à Sonic qu'il est sur le vaisseau, même si malheureusement ça ne le met pas sur le vaisseau. Mais c'est un petit truc fun que moi d'ailleurs j'aime bien faire en run, j'aime bien faire croire que Sonic est sur le vaisseau pendant que le vaisseau est là. SCB is a girl. Donc là, il va tuer le maximum d'ennemis et il va arriver à. Il va spin dasher à la fin du niveau pour. Ou peut-être pas, moi je spin dash, mais lui ici il va spin dasher pour arriver à finir le niveau en 2 minutes 06. Voilà. Et donc là, on va voir un des meilleurs bugs du jeu. Donc il va faire des skips sur le niveau quand même. Moi je l'ai skippé comme ça aussi quand j'étais petit, mais je faisais pas la dernière partie. Donc là, il va passer en dessous, il va sauter. Alors ça, c'est impossible à faire. Enfin, impossible dans le sens, c'est très dur. Et là, hop, il va passer à travers l'hélice, donc avec un damage boost, et il va zapper la moitié du niveau comme ça. Après, des petits sauts sur les plateformes. Bon, c'est easy une fois qu'on les connaît. Ah, il s'est loupé. Donc, ici, il prend les crochets, et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauter sur une plateforme, hop, et il va lancer un spin dash en même temps, et je sais pas si vous avez vu, mais il s'est arrêté à la fin de la plateforme. Et du coup, ça lui permet de... Il a lancé un slow glitch, comme dans le dernier niveau de Sonic 1, qui permet de faire ça. Arriver sur le haut du niveau, et en fait, il va pouvoir... Ah, voilà. Il va pouvoir tuer le boss en faisant bugger toutes les textures, en fait, et il arrive à se positionner sur le boss et à le tuer en spin dashant, tout simplement. C'est un glitch qui est très dur à faire. C'est très capricieux en fait, enfin, je sais pas si t'as un setup particulier pour toujours lancer le spin dash, perso j'y arrive pas, pour moi c'est le jeu s'il veut ou moi, pas. J'ai un setup, hein, moi j'ai un setup particulier. Parce qu'en fait le spin dash on peut pas tout le temps le lancer, enfin dans les runs que j'ai fait j'ai pas réussi à tout le temps l'avoir, en fait, c'est assez particulier. En fait le concept de ce spin dash,
c'est qu'on peut lancer un speed dash que quand les pieds de Sonic sont plats. Et le problème du slope glitch, c'est que Sonic se croit toujours au bord d'une plateforme, donc en fait ses pieds sont jamais plats. Et du coup, bah, pour lancer le spin dash, il faut trouver la bonne position où le pied va être plat. Et pour lancer ça, moi j'ai trouvé un setup qui me fait apparaître un pixel plus bas, et donc permet d'automatiser ce mettage plat de pied, on va dire. C'est un peu con, on va dire, mais qui va permettre d'automatiser ça. Et du coup, je l'ai déjà montré, setup, je reviens en arrière, normalement, après avoir fait le premier... Enfin, j'utilise une route différente, et donc je reviens un peu en arrière, ça charge une zone, et ça me permet de faire ça, enfin, je crois. Je suis pas sûr, mais en tout cas, moi j'arrive toujours à avoir les pieds plats. C'est un setup que je fais qui me fait perdre un peu de temps, mais au final, vu que je réussis toujours mon slope glitch, bah ça m'accélère. Et donc là, le boss final du jeu, sans aucun anneau, il est très dur à faire. On me souvient, j'ai dû utiliser 30 vies quand j'étais petit pour le finir la première fois. Et du coup, bah là, on se place derrière, un truc qui est pas censé être fait à la base. Et on le hit en sautant par-dessus les flammes de son jetpack. C'est un petit timing à avoir. Ce boss est entièrement du timing. Et on le finit très très vite, donc 49 secondes, 50 secondes. Et le jeu est fini. 22 minutes, tout pile. 22 minutes tout pile, c'est un très bon temps. Mine de rien en RTA. Ouais. Mais donc voilà. Attends, je vais te laisser 30 secondes déjà. Ok. I'm so happy with that. That's such a good time. That's probably like 16 minutes game time. I shouldn't be getting that kind of. Donc je rappelle aussi également, hein, pendant que Chancal n'est pas là, n'hésitez pas à donner à Shields Play pour aider les petits enfants à jouer aux jeux vidéo à l'hôpital. Espérons à jouer à Sonic 2 au lieu de jouer à la Xbox One. On ne sait pas à quoi ils jouent, mais quand même ils joueront, donc ça améliorera leur séjour. Et donc la séquence de fin de Sonic, Sonic 2, où il redescend sur Terre et il se fait sauver par Tails. Tails, pour info, qui est le... Parce que là, ça s'est bien passé encore, mais quand la run se passe mal, Tails, c'est à peu près votre ennemi. C'est votre ennemi juré dans cette run, parce que, en fait, vu qu'il a des réactions légèrement décalées par rapport à nous, en fait, Tails, il reproduit les inputs de Sonic, mais avec une seconde de décalage, grosso modo. Et ça fait que des fois, bah, il peut par exemple taper un ennemi juste après nous et nous faire traverser. Et nous, et vu qu'en dessous il y a du vide ou de la lave, bah, on se fait tuer. Ça peut arriver. Et là, généralement, quand on a ça, on a vraiment la rage envers Tails. Et c'est pour ça que moi, je n'hésite pas à le dire, je hais Tails. Tails, c'est mon ennemi juré. By clicking the link in the chat that appears from Shameless Plugbot. So, thanks guys. You're watching Sonic Speed 2016. Oh yeah. Oh yeah, Sonic Speed 2016. Ouais. Attends, j'essaie en français. Vous êtes sur Sonic Speed 2016. Tout de suite, Sonic le Hérisson 3. Ah bah bravo bravo l'accent TF1, hein. Ouais. Bienvenue à... Attends, c'est passé... Aujourd'hui sur Twitch. Aujourd'hui dans Koh-Lanta. Aujourd'hui dans Koh-Lanta, nos aventuriers vont pouvoir... dans l'équipe Tiki et l'équipe Biggie. Ok, bon bah je vous rappelle que ce marathon est aussi fait pour du caritatif, pour une association qui s'occupe d'aller d'apporter des jeux vidéo aux enfants dans les hôpitaux. Voilà. Alors vous pouvez donner, ou alors si vous parlez pas français, vous pouvez aussi aller sur le stream officiel. Voilà, stream officiel. Merci pour ton host, Jérôme. Merci pour ton host, Jérôme. Et vous pouvez aussi voir le planning, parce que nous on va vous commenter les jeux Mega Drive, Sonic 1, 2, 3. Et après. D'ailleurs on arrive déjà à Sonic 3 et Knuckles.
Et regardez le planning, parce qu'il y a encore tout un tas d'autres jeux Sonic qui vont être nés. Ça finit demain à 9h du soir. Et d'ailleurs, on est un peu en avance sur le planning quand même. Hein. On a presque une demi-heure d'avance. Ce qui est rare en marathon de speedrun, ouais. Rappelons-le. C'est rare d'être en avance, mais... Parce qu'ils avaient prévu 25 minutes et 30 minutes pour Sonic 1 et Sonic 2, alors qu'il a été fini en 18 et en 30. Et en 30 et en 22. Mais on est en avance. On va avoir après, on va avoir donc Sonic 3, ensuite peut-être Sonic Spinball, on va voir. Sonic CD, Sonic Chaos, Sonic Triple Trouble, mais donc là, à partir de Sonic CD, nous on sera plus là, hein. On va vous rediriger vers le stream officiel. Et après, moi, pour info, mais comment ? Après, on va avoir Sonic Adventure DX, il va tout faire le jeu. Enfin, ils vont tout faire le jeu parce qu'ils sont 4 quand même sur la route. Et après, du Sonic Heroes. C'est pas mon Sonic préféré, perso. Et pour mon Sonic préféré, en tout cas, je fais un peu de pub pour mon Sonic préféré. Ça sera dans la nuit, à 2h30 du matin. Ça sera Sonic Adventure 2. Et après, à 7h30, vous aurez Sonic Adventure 2, encore Knuckles Centurion. Et à 2h15 de l'après-midi dimanche, vous aurez guys, you have one more Sonic minute. Adventure 2. And then it's off. So en race, en héros d'ailleurs, c'est énorme. Et à 3h05, vous aurez Sonic Generations, qui est aussi un très bon jeu, mais ça, c'est demain. Voilà, voilà. Ah, moi, je vous conseille aussi d'aller voir, c'est à 4h du matin, les Sonic Advance. Oui, Sonic Advance aussi, d'ailleurs, je confirme. Les Sonic Advance 1, 2 et 3 qui sont très impressionnants à regarder. Non, Jérôme, on va pas tout retransmettre parce que on connaît pas assez les autres jeux, tout simplement. Même si Sonic Advance, Sonic Advance 3, je les connais quand même pas mal, vu que j'ai joué et j'ai fini les deux, mais... Sonic Advance 2, je l'ai aussi, mais je l'ai pas fini. D'ailleurs, j'aimerais remercier, pour Sonic Advance 2, j'aimerais remercier Light, quand même, qui me l'a filé. Parce que je l'avais pas, c'est Light 44570, je crois, qui me l'a filé. J'ai plus le nombre à la fin, je m'en souviens plus, j'appelle toujours Light. Donc voilà, on arrive du coup... Il y a un petit bidoir là qui va se finir dans quelques secondes, je crois, maintenant. Voilà, parce que sinon on saura pas en fait quand est-ce que... Sonic ou voilà. Knuckles. Donc on va voir. Alright, it's 950. Alright. Donc vous allez voir aussi, ce Sonic-là est très rapide à faire. Enfin, à faire, non. So, non, parce qu'il est deux fois plus long, mais il est très rapide, comme jeu. Parce qu'on a le spin dash aussi, donc on va encore plus vite que sur Sonic 2. Quoique, je sais pas. Parce que Sonic 2, on va quand même très très vite. Hein. $15 donation. Thank you so much for your donation. Alright, so thanks very much for everyone who donated for Knuckles. Thanks slightly. Ah, donc apparemment, ça a l'air d'être Knuckles qui a gagné. C'est très impressionnant à voir aussi Knuckles parce qu'il y a beaucoup plus de spin dash qu'avec les autres personnages. L'avantage de Knuckles, c'est qu'il est plus rapide. Le spin dash de Knuckles est plus rapide, oui. Mais c'est surtout par rapport à Knuckles qui s'arrête beaucoup parce qu'il peut, il peut voler, il peut planer dans les airs et atterrir soit d'un coup sec et être posé, soit en glissant. Et en glissant, c'est du coup, à cause de ça, on va beaucoup s'arrêter et faire beaucoup de spin dash. Ah, on voit plein de runners quand même dans le chat anglais, hein, des runners de Sonic 2 aussi, de Sonic 1, 2, 3. Ah, il y a beaucoup d'excellents runners hein, dans le chat et même dans le marathon, il y a d'excellents runners. Bah, déjà rien que Mike. Donc là on voit le planage de Knuckles hein, quand même. Ah, là il a pris quand même un damage pour pouvoir s'arrêter et prendre le ressort. Je cherche mes mots, c'est affreux. Et donc là, le boss va se faire défoncer, mais sévère. Même si ce n'est qu'une cutscene, hein, bien sûr. Mais normalement, il y aurait déjà dû être. Il n'y a plus de respect pour les boss dans ce jeu, hein, surtout en speedrun. Si, il y a des respects pour les boss, et les boss qui se tuent eux-mêmes, mais vous verrez, ça, c'est la partie très chiante de ce jeu. On les laisse faire. Ouais, c'est la partie très chiante de ce jeu. Non, toi, tu les laisses faire parce que t'es hypersonic, mais en vrai, tu dois faire des trucs quand t'es pas hypersonic. Ouais, d'ailleurs, j'apprends un peu avec Sonic classique hein, ces derniers temps. Donc voilà, t'es en train d'apprendre à jouer, à jouer correctement en fait. Voilà. C'est bien que t'apprennes à le faire avec Sonic 2. Je suis nouveau sur ce jeu. C'est bien que t'apprennes à le faire sur Sonic 2. Ouais, Sonic 2 pour l'instant, c'est pas le but. Ah voilà,
on a une petite coupure de l'affichage. Ouais, ouais, je vois dans le chat. Ouais. Il y avait un petit problème de synchro audio là. Donc du coup aussi, j'en profite pour le rappeler parce que je ne l'ai peut-être pas assez expliqué sur Sonic 2, mais le coup de l'in-game time, pourquoi on fait de l'in-game time sur Sonic, même si là vous voyez en fait que le timer défile normalement parce que c'est en marathon, mais quand on fait du speedrun pour faire des records, on prend en fait que le temps du timer du jeu qu'on additionne à chaque fin de level, parce qu'il y a un truc qui se passe dans Sonic, c'est qu'à la fin du niveau, on a un décompte de points, et moins on a mis de temps, plus on a de points. Et donc plus on a... Okay, moins on a du temps, now, plus yeah, le décompte prend de right, temps, et donc on perd du temps au bout d'un moment. C'est-à-dire que par exemple, si on fait 23 secondes, on va être plus lent que si on fait 30 secondes. Donc résultat, pour éviter d'avoir ce genre de problème, donc là le boss qui se fait défoncer mais sévère, si on pour éviter ce problème, ce qu'on fait, c'est que on ne compte pas les temps de décompte de points, donc on compte que les timers du jeu. Voilà. Donc là on voit 50 000 points. Ah d'ailleurs maintenant c'est 50 000 points quand tu as même à 52 secondes. Ouais, les points sont différents sur Sonic. Ouais, sur Sonic 1 et Sonic 2 c'est moins de 30 secondes pour avoir 50 000 points. Et donc vous avez vu le boss qui s'est fait défoncer parce que un truc qui est très commun sur les Sonic, c'est que en fait les boss on peut leur rebondir dessus et donc ça les tue très vite. Parce que Eggman, malgré le fait d'être un génie, c'est quand même pas un mec très intelligent et il fait des boss qui sont pas très intelligents. Il fait des machines qui sont pas très intelligentes et du coup on peut les tuer très facilement la plupart du temps. Mis à part peut-être le boss final de Sonic 2, qui est peut-être une des machines les plus intelligentes. Plus intelligente, je sais pas, mais la plus dangereuse, ouais. Donc aussi, pareil, un truc qu'on n'a pas dans Sonic 1, 2 et que là on a dans 3, c'est que maintenant, quand on va assez vite, on peut courir sur l'eau aussi. Et du coup, c'est des routes qui sont prévues par les développeurs pour nous faire aller plus vite, parce que comme ça, on n'a pas à tomber. Mais il faut avoir une certaine vitesse et il faut pas se faire toucher ou ralentir pendant qu'on court sur l'eau, parce que on va tomber sinon. Donc là, un damage boost pour pouvoir toucher quand même une fois le boss. Parce que là, normalement, on n'est pas censé se faire toucher. On n'est pas censé le toucher. On est censé le toucher que là, en fait, pendant que ces réacteurs s'arrêtent et qu'il se prépare à faire tourner le mixeur. Parce qu'on est à peu près dans un mixeur, en fait. On est dans une sorte de grand mixeur, de grande machine à laver. Et du coup, en fait, il fait tourner la machine à laver pour nous faire l'éviter, mener vers lui, ce qui va nous faire toucher. Voilà. Là, pareil, une partie un peu chiante du jeu. Voilà, hop, il a réussi à la passer en mourant, en fait, mais... C'est une partie... Ah non, il a pas passé, normalement, on la passe en mourant, c'est ça? En mourant, on peut la passer, si je me trompe pas, non? Ah oui, non, c'est... Ouais, en fait, là... il abuse un peu d'une mécanique du jeu pour mourir, c'est un truc un peu bizarre. Et en fait, s'il meurt ici, c'est pour décharger le level 1. C'est-à-dire que vous avez très bien vu, le level 1 et 2 s'enchaînent sans qu'il y ait un chargement. C'est nouveau dans Sonic, ça? Tiens, d'ailleurs, un warp. C'est dans Sonic 3, ouais. Et justement, il est mort volontairement pour que le jeu ne recharge uniquement que l'acte 2. Et du coup, ça lui permet d'avoir... une position 0 et de faire un warp et d'aller en moins 1 avec un zip. Voilà. Et donc là on a vu justement qu'il avait warpé en passant à travers un tube, on va dire, une sorte de tube, un demi-tube. Il a warpé en passant à travers en arrivant dans le mur. Et c'est assez impressionnant, surtout quand on connaît pas les warps de Sonic 3, c'est assez impressionnant de voir ça au début parce que c'est quand même un truc qui est très pas normal dans le jeu. En fait, là, il l'a fait ici avec Knuckles, mais avec Sonic, tu lances le zip dès le début du niveau. Parce que tu peux pas faire en fonction de Sonic et Knuckles. En fait, ils ont une physique légèrement différente. Du coup, les glitches, on peut pas les faire partout au même endroit avec le même personnage. Nage. Notamment le fait que Knuckles saute moins haut, mais que Knuckles puisse s'accrocher au mur pour faire des trucs dans ce genre-là.
Donc là, pareil, vu que c'est un nani pour cent, on prend pas le grand ring qu'on avait vu parce que ça nous aura amené dans un special stage. Ce qui n'est pas ce qu'on veut. Donc là, pareil, comme le niveau est infini, voilà, dans Sonic 3, les niveaux sont, les niveaux infinis sont beaucoup plus présents, les niveaux où on tourne de manière infinie. Résultat, bah, on peut faire les warps de caméra, on peut les faire très facilement en fait sur ce jeu, et du coup warper à mort et arriver à faire bugger les textures, on voit. Hein. Et donc là, on voit cette notion de. Et là, fait, s'il s'est retrouvé ici, on est dans l'acte 2 voilà. Déjà. Il a warpé l'acte parce que. Et bizarrement, le boss de l'acte 2 se trouve ici. Voilà. Donc on fait complètement des trucs bizarres, mais on arrive. Sonic 3 et Knuckles est un jeu encore plus cassé entre guillemets avec les glitches, les zips, les level warp que les deux précédents. Ils ont essayé de caser le plus de trucs dans le jeu. Résultat, il y a des résultats. Bah, comme il y a plein de trucs casés dans le jeu, on peut faire des trucs bizarres en chargeant ce qui ne doit pas être chargé ou des trucs dans le genre. Et alors là le jeu ne va plus rien comprendre. Voilà. Le jeu, il dit, qu'est-ce qui se passe? Mais donc Sonic est arrivé à la fin de l'acte 1, on voit Tails, je sais pas ce qu'il fout là, mais il y a Tails. Mais ce qui est marrant, c'est que le jeu ne bug toujours, enfin ne plante toujours pas ici. Et du coup là on arrive, hop, on arrive du coup directement au niveau 4. On verra aussi ça encore dans Ice Cap où on est dans l'acte 1 et on zip directement dans l'acte 2. Parce que en fait c'est le fait que les deux niveaux sont connectés qui permet de nous faire zipper à travers les deux niveaux directement. C'est très pratique ce genre de truc. Et d'ailleurs c'est étonnant quand même que le jeu justement nous l'autorise en fait. C'est très étonnant pour moi. Moi si ça avait été une logique d'un jeu que j'aurais développé moi-même, il aurait crashé à ce moment-là parce que les deux niveaux n'auraient pas été liés comme ça. Enfin bon, après, on va pas revenir sur la façon dont ils ont développé le jeu. Ça nous permet de faire des bons trucs, donc on est content. Et donc là, c'est ce qu'on disait, un niveau où le boss se tue tout seul. Donc, Très fréquent dans Sonic 3. Et aussi, Kirigirl, c'est effectivement, c'est un problème de collision. Enfin, il n'y a pas qu'un problème de collision. Le screen warp, c'est pas un problème de collision. C'est ce qui effectivement se passe pendant que tu fais le screen warp qui propose un problème de collision et les zips c'est un problème de collision. Mais du coup derrière c'est le fait de changer les niveaux c'est des problèmes de chargement ça aussi. C'est pas pareil. Mais ouais le jeu se fait violer hein, par effectivement parce que tu fais quand même. Enfin le jeu en fait le fait qu'ils aient voulu améliorer les graphismes proposer tellement de nouvelles physiques parce qu'il y a énormément de nouvelles physiques sur Sonic 3 par rapport à Sonic 2. Bah ça fait que ils avaient quand même un timing pour le développer donc du coup ils ont pas pu tout développer avec le moteur sachant que c'est le même moteur hein, que Sonic 2 et Sonic 1 même. C'est le même moteur sauf qu'ils ont ajouté des trucs et ça fait qu'il y a plus de bugs de manière générale que sur Sonic 1 et Sonic 2 le moteur et ils ont voulu ajouter trop de trucs. Et donc ça fait que maintenant bah on peut faire justement des machins impossibles parce qu'il y a plein de bugs. Un autre jeu dans ce genre là même si c'est un jeu 3D, c'est donc là, pareil, on n'a pas eu le boss, là. Non, il n'y a pas de boss, c'est normal, c'est avec d'accord, c'est comme ça. Il n'y a pas de boss ici. D'accord, il n'y a pas de boss. Mais du coup, ce que je disais, ouais, c'est un autre jeu, même s'il est en 3D, qui est un peu dans ce même style, c'est Zelda Ocarina of Time. Si vous regardez Zelda Ocarina of Time, le jeu a été développé assez rapidement, et donc il est complètement troué. C'est le même concept. Et bref, on arrive à Escape. Donc une zone avec ce que tout le monde dit est la meilleure musique du jeu, la meilleure musique de Sonic même en général. Je ne suis pas méga d'accord. Les goûts et les couleurs. Ouais, voilà, les goûts et les couleurs, je ne suis pas. Ça ne se discute pas, mais moi je ne suis pas méga d'accord. Ouais, pour moi ce serait pas Escape. Ouais. Non, pour moi c'est Mystic Cave Zone dans Sonic 2. Mais... Alors là, ici on a encore déclenché le slow. Voilà, encore un slow glitch avec un zip qui s'ensuit. Et comme on voit, le niveau est lui aussi infini en hauteur, donc lui aussi on boucle sur la verticale. Là on zip encore, mais tout à l'heure on bouclait sur la verticale, c'est pour ça que ça allait en diagonale à fond. Et là, level warp qui nous amène directement à l'acte 2. Voilà, level warp sur l'acte 2. Donc là, c'est le jeu qui se fout. Boss de l'acte 2 et on était à l'acte 1, donc c'est vraiment un truc impossible, incroyable, on voit plus du tout du jeu, quoi,
c'est vraiment énorme. D'ailleurs, quand tu le feras, tu comptes le faire en moment, toi? Donc là, pareil, aussi un petit rebond sur le boss. Faire quoi de... Faire des zips comme ça à un moment. Bonne question. J'ai tellement de choses à faire sur ces jeux en ce moment que je sais pas si c'est au programme encore. Non, il faut que j'ai 2-3 strats à intégrer sur mon run avec Hypersonic. J'aimerais bien revenir un peu plus sur Sonic 1. Mmh. Apprendre à faire les zips. Ouais, voilà, notamment. Oui, après le boss qui se tue tout seul, oui, qui rigole, c'est, ça dépend effectivement de sa position et de ta position et de son projectile. Mais du coup, mais dans le final, il se tue tout seul. Donc là, pareil, encore une fois, on a traversé une texture, un objet qui n'existait pas, parce qu'on regardait en haut et on s'est fait toucher. Et du coup, bah, ça nous a permis de zipper et d'arriver tout à la fin. Et du coup, là, on arrive au boss de l'acte 1. Ouais, ça, c'est un boss qui est propre à Knuckles. Voilà. Petit détail, c'est que quand on run avec Sonic, le niveau n'est pas le même. On fait exactement la même chose et on arrive à ce boss-là avec Sonic. Du coup, ce qui n'est pas censé arriver, parce que normalement, dans Sonic 3, en fait, les Sonic et Knuckles sont pas les mêmes boss. Parce que je sais pas si vous avez déjà regardé, mais René Sonic 2 avec les boss pour Sonic, mais avec Knuckles, c'est la mort, notamment le boss final. Ouais, Knuckles saute moins haut que Sonic. Ouais, donc du coup on peut pas finir le boss final de manière. Ça change beaucoup de choses. C'est pas énormément moins haut, mais quand même on le voit que c'est moins haut et du coup ça change beaucoup de trucs et c'est très très embêtant. Mais ah, ça a encore un niveau. Mais il peut planer, oui. Mon contrôle, où il faut être sûr de beaucoup de sauts. Parce que là, par exemple, là, bah, il a loupé un saut. Là. Hello, Mr. N-Man 36. Et du coup, il a touché le mur. Et c'est là, en fait, que les speedrunner des Sonic classiques, c'est très dur. C'est parce que, justement, il y a tellement de trucs qui se passent tellement vite et avec tellement peu de marge d'erreur qu'il suffit de failer un truc et on n'est pas fluide à fond. Et donc, du coup, on perd une seconde ou deux. Et donc, pour avoir un temps vraiment un bon temps, bah faut s'entraîner pour pouvoir faire exactement la même chose. Oh, ça, c'était très technique, ça. Ce saut-là. Ah, ça paraît pas quand on regarde juste comme ça, ouais, juste qu'on ne run pas le jeu. Juste mais... saute, mais ouais, c'est très très dur. Parce que... Il y a des sauts qui demandent une précision. Une précision folle. Je sais pas si vous avez déjà regardé une petite... Comme tu disais, si tu rates, tu perds vite quelques secondes. Et le problème, c'est qu'à la fin, ce jeu se passe sur quelques secondes, justement, quand on est à haut niveau. Donc là, un damage boost pour pouvoir le toucher par-dessous. Et voilà, on a tué le boss. Ah non, on n'a pas tué le boss, il y a encore une deuxième partie. Donc ça prouve que je connais ce jeu par cœur, hein, notamment avec Knuckles. Parce que normalement, on l'a tué avec Sonic, normalement, là, on l'avait tué quand on a tué les... Ouais, y a... les boss sont un petit peu plus rudes avec Knuckles qu'avec Sonic ou Tails. Et là, c'est le cas. Parce qu'avec Sonic, ce boss, avec ses grosses mains, on ne le combat pas. Petit détail aussi à remarquer, c'est que les boss, c'est pas Robotnik qui les pilote. Parce que dans l'histoire du jeu, Robotnik a trompé Knuckles en fait. Hein. Knuckles ne s'en rend compte que plus tard dans le jeu. Et du coup, normalement en fait. Parce que oui, il y a une histoire. Oui, contrairement aux autres Sonic, il y a une histoire. Enfin, Sonic 2, il y a une sorte d'histoire. Et du coup, là, normalement, si on joue avec Sonic et qu'on joue qu'à Sonic 3, c'est-à-dire qu'on n'a pas la fameuse cartouche Knuckles, on peut mettre une autre cartouche dedans, normalement, là, c'est la fin du jeu, si on joue qu'avec Sonic. Mais attends, je suis en train de me demander s'il y a vraiment la partie et Knuckles, en fait, parce qu'ils ont juste mis Sonic 3 dans le titre, même dans le premier. Non, mais c'est parce qu'on considère Sonic 3 et Sonic 3 et Knuckles. Sonic 3 et Knuckles, c'est considéré comme Sonic 3. C'est bien Sonic 3 et Knuckles, là, pour le coup, on arrive à me changer. Déjà, il faut que tu m'expliques comment on peut jouer à Sonic 3 sans Knuckles avec Knuckles. How long spinball's gonna take? Je sais pas si c'est possible de base. C'est possible, je crois. D'accord. Ouais, je suis vraiment un noob à ce jeu-là, hein, en fait. Je connais les mécaniques de jeu, mais j'adore regarder des runs. Mais je ne run pas encore ce jeu. Si, tu runs en hypersonic. Alors là, pareil, en hypersonic, mais personne ne fait ça. Surtout en glitchless. Un zip en passant sous le... Comment le... Okay. Well, we'll sous une plateforme qui se baisse, sous une porte qui se baisse.
Et du coup, ouais, on se fait pousser par un objet encore une fois. On se fait pousser par un objet comme d'hab. Et du coup, il a zippé en appuyant vers la droite. Et du coup, il s'est fait expulser vers la gauche. Comme on le dit, le zip nous expulse dans la côté opposé. Et il est arrivé avant le début du jeu. Donc, il a provoqué un bug de warp et l'a warpé tout le niveau. Donc, pour info, si vous voulez le nom précis en programmation de ce bug, c'est un integer underflow. Donc voilà, c'est le nom précis, c'est un integer underflow parce qu'on fait passer la position x en dessous de 0. Et du coup, comme c'est un nombre entier non signé, donc ça veut dire qu'il peut pas avoir de valeur inférieure à 0, bah sa valeur est automatiquement transformée à une valeur très grande. On faudrait l'expliquer avec des schémas pour expliquer plus profondément comment ça se passe. Et du coup, le jeu prend ça pour la fin du niveau. Mais si vous voulez avoir plus d'explications, allez voir sur internet, vous verrez que vous aimez programmer, vous verrez, il y a plein de trucs qui se passent derrière ça au niveau du code et tout, et de comment la console fonctionne. C'est très intéressant à savoir. Alors là, du coup, encore une fois, une route bien précise avec des petits sauts à ne pas rater. Plein de sauts bien précis, donc là, c'est que du trip jump et tout. On remarque quand même, alors là, moi, je le remarque pas trop vu la qualité de l'image parce que ça va très vite et l'image n'a pas forcément le temps de se fixer. Mais si vous jouez vraiment au jeu, vous remarquerez quand même que comparé à Sonic 1 et Sonic 2, les niveaux de Sonic 3 sont beaucoup plus détaillés. Il y a beaucoup plus de trucs, ça utilise vraiment beaucoup, beaucoup de ce que la Mega Drive peut faire. Il y a peu de jeux qui sont aussi jolis que ça, aussi jolis que celui-là. Avec des effets 3D, comme là on voit en fait, on a pu voir un peu avec les sortes de je sais pas, de barres de limbo là que au-dessus desquelles. Ouais, il a fait un temps incroyable. 1-0-1, c'est très grand. Ah ouais, non, mais je l'entends, il est impressionné lui-même de ce qu'il vient de faire. New World Record. Mais il a le World Record depuis quelques jours sur ce run. See you later for Unleashed Josh. Knuckles ne sait pas encore que Robotnik l'a trompé. Parce que pour l'instant, c'est qu'un robot, donc Knuckles n'est pas très intelligent. Donc là, pareil. Là aussi, on va encore un peu casser le jeu. On va casser le jeu. Donc là, on voit, on traverse à travers. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe, quoi? On est à travers l'air, on saute, on descend. Donc c'est un slow glitch, en vrai. Avouons-le, c'est un slow glitch. On est en train de slow glitcher le jeu et du coup de traverser les murs parce que oui, en slow glitch. Ça c'est tout nouveau ce glitch là, ils l'ont trouvé il n'y a pas longtemps. Il y a une part de slow glitch et il y a une autre part au tout début du niveau où on utilise la caméra justement pour tromper le jeu sur la position du personnage. Pendant que remarquons-le toujours quand même, Knuckles nous montre son cul. Ouais. Et c'est là qu'on voit que... Parfois ça arrive aussi que le sprite de Knuckles bug complètement sur le boss. Ah oui, qu'on ait un truc à la scène. C'est un peu random aussi. On parle de bug, on parle de sprite bugué. Voilà. Donc sprite bugué, voilà, ça arrive. Parce qu'en fait, le concept c'est qu'un sprite, en fait, une position et une façon de regarder, ça équivaut à un sprite. Donc un sprite, en fait, c'est quoi? C'est pas juste plusieurs petites icônes, en fait. C'est une image qui représente toutes les icônes. Et du coup, derrière, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est qu'on dit, quand Knuckles regarde à droite, tu vas à telle mémoire. Et des fois, pour faire des opérations, genre quand on veut faire aller regarder en haut, on fait position droite plus position haut, enfin plus regarder en haut, regarde droite égale la position d'affichage. Et du coup, on positionne bien dans les mémoires du jeu les sprites pour que, de manière très efficace, on arrive à les afficher. Sauf que quand il y a un peu trop de variables en même temps et qu'il regarde plusieurs positions en même temps, donc haut, bas, gauche, droite et tout ça, des fois il sait pas quoi charger, du coup il charge des mauvais sprites et on a des sprites tout buggés. Il charge les mauvaises mémoires et du coup on a des mémoires tout buggées. Donc là pareil, il va essayer de lancer un zip. Ouais, il est mort au début du level parce que les deux niveaux sont liés. Il veut juste avoir l'acte 2 de charger. Voilà. Donc quand on meurt, il décharge. Pour justement lancer un level warp. Quand on meurt, il décharge un peu. Celui-là il est assez coton. Ah bah de toute façon, il est obligé de le refaire. C'est toujours le même principe, on rentre dans le décor, on zip, et on essaie d'arriver au bon endroit pour lancer le level warp. Ah, voilà, il est parti. Voilà. Donc là, comme on voit, on voit qu'il a bugué les textures au fond, derrière. Les textures sont bien buggées.
Normalement, c'est censé être le ciel et des nuages. Sauf en fait... ouais, c'est un ciel tout bleu et des voilà. nuages. Et là, en fait, on attend une plateforme qui se déclenche dans le parcours qu'IA comprend juste avant pour arriver ici quand on prend la route normale. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait avec les trucs? C'est que la mémoire vidéo du jeu, la mémoire qui charge les textures, n'est pas ultra grande sur la Mega Drive. C'est, je sais plus, c'est 32 ou 64 kilo-octets, c'est très peu. Et du coup, en fait, le jeu, pour pouvoir charger plein de décors différents, doit y avoir des. En fait, il y a des endroits, des zones, où il va décharger les anciennes textures, donc les textures de l'intérieur du niveau, et va recharger les nouvelles, celles de l'extérieur. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que les textures, c'est que comme il a zippé, il n'est pas passé par l'endroit où les textures sont déchargées et remplacées, et du coup, c'est les anciennes textures qui sont utilisées. C'est juste ça. Donc là, j'en profite un peu justement vu que je connais pas tant. La console a pas le temps de charger en fait, hein, on arrive trop vite. Vu que je connais pas tant que ça sur les glitches de ce jeu-là, je préfère expliquer les parties techniques. Mais c'est la même chose, hein. C'est des zip, des level warp, des slope glitch, des screen warp. Ouais, mais je connais pas trop la run en fait, donc je préfère expliquer du coup la partie technique sur comment la console réfléchit. Parce que ça, centre de police, centre de police, on va encore avoir un level war. Centre de police qui a une super musique, je trouve. Enfin, mais peut-être. Il peut se rater. Ouais. Il utilise les télés pour rebondir et arriver là. Et il l'a eu. Il l'a réussi, mais. Et il l'a eu du premier coup. C'est très fort, mais ce level war, en fait. Ah, franchement, clap. Clap, ouais. Les clapas. Avec Tails, il est très facile à faire. Hein. Si vous avez grillé l'endroit où il est rentré dans le mur, vous prenez Tails. Dès que vous êtes dans le mur, vous appuyez sur droite. Et vous allez faire la même chose. Et du coup, pareil, tout sur le truc aussi, c'est le truc aussi, c'est de ne pas appuyer sur droite trop longtemps parce que sinon sa vitesse va réduire vu que la droite fait réduire la vitesse du personnage qui va quand il va vers la gauche. Et du coup, on a vu, il a utilisé un pause buffer. Donc le pause buffer qui est quand même la manne céleste pour pouvoir arriver à lancer les glitches frame perfect. Donc là pareil, un boss qui se pseudo-tue lui-même, en fait il faut le lancer dans le sable, et pour ça on doit attendre... C'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, voilà. Jean-Pierre le golem. Et du coup on s'amuse un peu avec le boss. Et donc là, hop. Donc là, on voit, voilà, ça c'est ce qui se passe lorsqu'on essaie de le tuer normalement. Donc il se fait juste. Il se fait juste. Comment, il se reconstruit juste. Et du coup, là, on le lance dans la lave et c'est fini. Donc là, il s'amuse un peu. Alors là aussi, il y a un petit détail. Là, il y a des timers en fait. Les plateformes ont des timers. Quand on avance dans les niveaux et qu'on voit des plateformes qui bougent de haut en bas, elles ont des timers. Certains se déclenchent au moment où le niveau commence et d'autres quand on arrive dessus. Et là, en fait, entre centre de police 1 et 2, le tout premier piston il vient de passer au-dessus. Il peut être différent à chaque fois qu'on commence l'acte 2. Et en fait, il y a moyen de manipuler le temps entre l'acte 1 et 2 en jouant avec le panneau qui descend. Donc il y a des petites techniques en fonction du temps qu'on fait dans l'acte 1. On va plus ou moins jouer longtemps avec le panneau pour justement arriver à temps au début de l'acte 2 et pouvoir passer directement au-dessus du pilier. Donc là, pareil du caméra warp qui avait été utilisé. Et donc, effectivement, c'est aussi un truc qu'on voit beaucoup pour les timings, pour arriver à optimiser les niveaux, même sur Sonic 2, même si on l'utilise pas pour les warps dans Sonic 2, ou pour des bugs, on l'utilise pour les optimisations de temps, c'est utiliser ce timer-là, ce fameux problème de timer. Il y a des plateformes qui sont animées dès le début du niveau, et d'autres qui ne sont pas animées dès le début du niveau, et qui sont animées que quand on arrive dessus. Donc, celles qui sont animées quand on arrive dessus, c'est pas un problème. Mais quand on en a à côté qui sont animés dès le début du niveau, on doit planifier tout notre niveau pour justement gérer ça en fait. Et pour qu'elle soit au bon endroit lorsqu'on arrive dessus. Par exemple, sur Chemical Plant One, sur Sonic 2, on a ce problème là. J'aurais dû peut-être le mentionner quand on a fait Chemical Plant, mais il y a un timing à avoir pour pouvoir passer le niveau le plus vite possible. Donc là encore un screen. Un petit screen warp. Là. Encore un screen warp, sachant comme il y a autant de niveaux que ça sur Sonic 3 qui ont cette fonctionnalité là, ils utilisent ça vraiment en outrance. Il y a beaucoup plus de glitch. Ouais. Et justement là il l'utilise pour éviter de pousser le bloc et de déplacer les deux plateformes qu'il y avait au-dessus de lui. Et il s'est foiré. Ouais, il s'est raté. Oui.
Comme quoi, ça va plus vite de faire ça que de pousser le gros bouton pour passer. Et il arrive là, ça lui permet de zipper aussi, accessoirement. Donc, pour info, si vous voulez vous lancer dans le speedrun de ce jeu, il y a sur certains sites, genre Sonic Zone Zero, vous pouvez avoir les cartes des niveaux pour pouvoir planifier tous vos mouvements. Parce que les niveaux sont quand même assez grands hein, dans Sonic 1, 2 et 3. Et du coup, il faut arriver à voir à comprendre ce qui se passe pour pouvoir justement. Faut arriver à comprendre comment tout ça s'est rangé pour pouvoir définir la route la plus rapide à faire. Et après, par contre, pour les glitches, YouTube hein, et les runs. Pour les glitches, justement, je vais balancer un petit lien sur le chat. Alors, c'est une liste de jeux qui vient du site Speed Demo Archive. C'est la catégorie de jeux dans laquelle vous pouvez trouver des guides. Alors, il y a les Sonic, justement. Je peux pas vous envoyer une page avec juste les Sonic. Juste les Sonic tout court. Mais là-dessus, vous allez voir, bon, c'est tout en anglais. Si vous parlez anglais. Vous êtes intéressé pour en savoir plus sur comment on fait tout ça, allez sur cette page. Alors là, le chat sur le boss, effectivement, s'amuse, mais effectivement, c'était la première apparition du Egg Golem, donc un Pokémon. Non, ce n'est pas un Pokémon, le Egg Golem, mais un monstre qu'on retrouve dans Sonic Adventure 2 aussi. Enfin, un monstre, une machine. Donc si vous regardez demain ou cette nuit les runs, vous pourrez le voir aussi sur Sonic Adventure 2. Alors oui. Alors là, ce niveau-là, c'est clairement un exemple de. Il y a tellement de plateformes de boules à pic qui se balancent au bout d'une chaîne avec des timers assez différents et ça c'est typiquement le niveau. Si on rate 2-3 trucs, on sait que on va pas passer correctement. Sur d'autres plateformes. Parce que ce niveau, c'est que du timing. Ce niveau aussi a quelques problèmes avec sa structure. Il y a des endroits où on va être carrément bloqué par le sol. Et ce niveau-là, si je me trompe pas, il warpe pas. Hein. Non. Il y a juste un petit zip avec Sonic qui est possible. Il y a un level warp qui a été trouvé, si je crois, récemment, mais c'est très compliqué de l'avoir, apparemment. Donc là, normalement, avec Sonic, on peut les toucher, normalement, les boules, mais là, avec Knuckles, vu qu'il saute légèrement en haut, on peut pas. C'est dommage. So if you have a dollar laying around, you can do that. It goes directly to Child's Play Charity. We do not see any of it. Comment and name. Du coup, ouais, la Varif Zone 2 qui est complètement différente avec ce personnage qu'avec Sonic. Et même et là, on se rend compte que. Non, c'est la même chose. Bah non, mais la Varif 1, non, mais pas par rapport au deux personnages, je parle par rapport à la Varif 1. La Varif 2, c'est entièrement bleu. Ah oui, la Varif 1, ah bah oui. La première fois, ça commence à. C'est un peu déstabilisant. Allez, j'allais le dire, mais il vient de le dire aussi. C'est sur ce niveau-là, le bouclier de feu. Vous pouvez voir que ça lui est très utile et il faut surtout pas qu'il le perde. C'est un truc qui a été rajouté ça depuis à Sonic 3, c'est que sur Sonic 1 et Sonic 2, il n'y a qu'un seul bouclier qui vous permet de protéger contre un hit et c'est tout. Sauf que dans Sonic 3, ils ont changé les boucliers, maintenant il y en a 3 et qui ont 3 effets différents. En fait, le bouclier de feu nous protège donc contre les dégâts de feu. Il nous protège aussi contre un dégât normal. On peut le perdre hein, si on se fait toucher par un pic, mais on ne perd pas d'anneau. Par contre, on ne perd pas le bouclier, on ne prend aucun dégât si on touche du feu. Il y a le bouclier d'eau qui lui va nous permettre de respirer sous l'eau, par contre après sinon c'est un bouclier normal. Et il y a le bouclier électrique. Le bouclier de bulle, on peut rebondir aussi. Ouais, le bulle aussi on peut rebondir. Et le feu, on peut lancer une attaque vers l'avant aussi. Et du coup, il y a le dernier bouclier, c'est le bouclier tonnerre qui permet de... Donc il n'y a pas de boss ici non plus, hein. Mais...
Ça permet un double jump, ouais, non, il n'y a pas de boss. Le piétonnerre qui permet un double jump et qui attire les, comment, qui attire les anneaux vers nous, donc très pratique. Et qui nous permet aussi de marcher sur les sols électriques, par exemple, dans ce qu'on trouve sur... sur Flying Battery. Et il nous permet en fait de marcher sur les sols électriques de Flying Battery sans prendre un seul dégât. Très pratique. Donc là, là on arrive déjà à la fin du jeu. En fait, là, on est directement au boss de fin. Robotnik a envoyé le Metal Sonic. Oui, donc on n'a pas. Donc c'est Mecha Sonic. C'est Mecha Sonic parce que Metal Sonic c'est Sonic D. C'est dans Sonic 2. Non, Sonic CD, c'est Silver Sonic dans Sonic 2. D'accord. Et là, en fait, sur ce boss, il y a une petite part de RNG où il a cette attaque-là avec ses trois boules, mais où il en a une autre où il plonge sur Knuckles. Et c'est quand le jeu sort ça, on n'est pas très content parce que ça nous fait perdre du temps. Donc, du coup, un truc qui est bizarre qui arrive, mais genre le Mecha Sonic qui devient super en super forme, nice. comme Super Sonic, c'est bizarre. Et du coup, pendant qu'il est en couleur dorée, orange, je sais pas quoi, il est intouchable. Donc il se transforme un peu comme le dit Amy Rose Forever sur le chat anglais, il se transforme un peu comme un Super Saiyan quand même, je trouve. Mais bon, Sonic c'est à peu près pareil, hein, j'ai envie de dire. Et voilà, c'était Sonic 3 et voilà. Knuckles, avec Knuckles. Avec Knuckles, qui est donc légèrement plus court quand même que Sonic 3 et Knuckles avec Sonic. Bah là, il n'y a pas Sky Sanctuary, il n'y a pas Deseg. Certains niveaux aussi sont un peu plus courts, ou nice. Par exemple on n'a pas eu de boss sur... Carnival Night. Il manque aussi la Final Zone aussi, quand même. Et là. La Doomsday, ouais, la Doomsday, il faut faire le jeu à 100%. Non, mais il n'y a pas que la Doomsday, aussi celle d'avant avec le boss final dans l'espace, quand même. Ah oui, exact, oui, bah oui, le boss final. Ouais, pour moi, ça fait partie d'un tout, hein, c'est Deathsec 2. Ouais. Mais c'est vrai que le décor est un peu différent. Effectivement, ouais, Jérôme, très bonne run. Très bonne run de 32h09. Peut-être la timer, voir si c'est pas un nouveau record, on sait jamais. Non, je pense pas. Je crois pas. Ah, il s'est foiré sur certains trucs. Real time doesn't make any sense for these games because of the time bonus issue, but for me, il est en train d'expliquer le RTA, le in-game time, ce qu'on vous expliquait tout à l'heure. Et du coup, vu que c'est Knuckles qui a été pris, je crois qu'ils vont enchaîner sur Sonic Spinball. Donc Sonic Spinball, très très marrant. Très marrant à voir parce que, en fait, le truc qui se passe, je sais pas si vous avez vu dans Sonic 2, dans Casino Night, quand même, il y a pas mal d'éléments qui vous font rebondir, un peu comme un flipper. Et du coup, ben, les mecs se sont dit, ah ouais, mais c'est marrant ça, en fait, dans Carnival Night aussi, dans Sonic 3, il y a ça. C'est marrant ça, et si on faisait pas un flipper basé sur Sonic, avec le même moteur? Bah, à la base, en fait, le tout premier Sonic, quand ils l'ont fait, ils ont récupéré un jeu de flipper pour la physique. Ouais. Pour faire Sonic. Alors malheureusement, j'ai vu ça traîner sur internet, j'ai pas été foutu de retrouver le site en question et j'arrive pas à retrouver quel jeu a été pris pour faire les Sonic. À chaque fois que je cherche Pinball Sonic quelque chose, je tombe sur Sonic Spinball. Donc c'est très dur de chercher cette information. Mais Jérôme, Spinball, j'ai jamais réussi à dépasser le premier niveau pour ma part, donc... Moi j'y ai joué 5 minutes, j'ai eu un peu peur. Mais j'y jouerai un jour, je le testerai. Après, je trouve que les musiques de Sonic Spinball sont moins meilleures. Enfin, sont moins bonnes. C'est un peu trop proche des musiques de base de Mega Drive. Et là, Spinball Time, boys! sur le chat anglais. Ok, bon, je vous ai balancé les liens. Comme prévu, nous, on se sera contenté de vous commenter les Sonic que l'on connaît. Et encore, même pour ma part, certains que je ne connais pas. Alors, s'il y en a dans l'organisation qui comprennent un peu le français, merci de m'avoir permis de faire ça. Je leur ai posé la question sur Twitter, ils m'ont directement répondu oui, pas de problème. Bah, on peut... So, thanks to let me restream in French. Attends, tu veux que je traduise correctement. Thank you to the English folks who allowed us to restream your fantastic event with our crappy language. Voilà.
Yep. Yep. Thank you, and now Sonic Spinball. Et pas avec. Ok, du coup, mes chers viewers, merci à vous d'être passés, ça fait très plaisir. Et je vous invite à aller voir le reste du marathon sur le stream US. Ouais. Non, sur le stream US tout ouais, court. On arrête là, Jérôme, en français. On arrête là, par contre, ouais. Tu peux aller voir les US, hein, tu peux voir les Américains. Parce que voilà, c'est toujours marrant à regarder, même si tu comprends pas trop l'anglais. Voilà. Allez, le bot, réveille-toi. Voilà, balancez le lien, suivez ce lien, les copains. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut.